Ah, mais moi je prends un Benelli. Hein. Avec le stunt? Pas stunt moi. Je m'en branle de stunt. Je suis pas fait pour ça. Hein. Ouais, bah attends, j'arrive, je vais chercher mon stunt. C'est pas que je préfère vivre aux autres, mais. Francophone, bonjour la Suisse, bonjour les Belges, bonjour la France, bonsoir les Québécois. Bienvenue sur le rendez-vous quotidien, 20h minuit, Altice Live France. Désolé pour hier soir, j'ai pas pu streamer, je suis rentré tard du boulot, donc je n'ai pas pu vous rendre ce plaisir hier soir. Mais ça m'a permis de me reposer également. Bon, bienvenue à tous, merci à tous d'avoir follow la chaîne encore une fois dans l'après-midi. Merci aux donateurs, merci aux abonnés, merci à tous, merci de vos commentaires chaleureux en MP ou sur YouTube. Ça fait super plaisir, ça donne l'envie de continuer à vous faire plaisir. Ce soir, Rebelote, 20h minuit, Altice Life France, Colonel Springfellow, à vous de jouer, faites vibrer le chat comme d'habitude, et bon live, amusez-vous bien. Parle-moi fort, monsieur. C'est juste pour un interrogatoire. Y'a l'ancien qui me dit putain, on est en train de refuser des clients. Ouais, mais je trouve pas d'entrepôt, moi. Bien sûr, mon collègue. Salut, fiston. Ça va. Ah, il est tourné. Ouais. Ça va ou quoi? Et toi? Ça va. Salut, choquement, une chanson. Salut Martin, comment tu vas? Merci d'être présent. Vive le vent d'hiver. C'est Noël et les petits schtroums sont tous le cœur en fait. Ne reste pas dimanche. Il m'entend ou pas? Il m'a entendu ou pas? Ouais, il l'entend, d'accord. Alors pourquoi tu rigoles pas? Je rigolais. Ah, d'accord. Mais il refuse des clients parce qu'ils achètent. T'as qu'une trousse là-dedans là? Faut de ma gueule ou quoi? Si tu veux qu'en plus. Ah oui, tu parles. Bah putain, mais tu te voyais le gars. Ils font faire les trajets à des gens. Ah non. Bah j'ai pas la forme à TE, donc faut pas mettre de TE. Ah oui. Oh là 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 là, mais qui c'est qui m'a foutu un mec comme ça là? En fait, j'ai. Oh là 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 là.
Yo bizarre, comment ça va? Merci d'être là. Ouais, ça va nickel. Ça va nickel. Salut. Salut. T'es moche. Putain, j'ai plus de thunes, les gars. Y'a Mathieu qui vous insultait. Putain, dis-lui que je. De quoi il m'a insulté? Il vous a insulté? De quoi? Oh, qu'est-ce que tu dis, toi encore? Mathieu, viens là. Il m'a insulté? Non, c'est lui, c'est un suceux. Il dit de la merde pour passer de grade. Attention, Mathieu. Tu passes brigadier. Merci. Non, brigadier, brigadier. Je me suis. Ah, il a sorti ce que t'auras jamais. Vas-y. Pleurer. Et il est où là? Jason? Ouais. Tu veux cette arme? Non, c'est bon, mon. Non, t'es sûr? Bon. Ouais. Je te l'aurais donné. Bah si vous me le donnez je veux bien, mais j'ai pas non, ma bah, forme. J'ai proposé, tu m'as proposé, je t'ai proposé, tu m'as dit non. Ouais, bon, je sais pas, vous m'auriez dit non de toute façon. Qu'est-ce que t'en sais? Bah parce que j'ai pas ma forme. Bah la prochaine fois tu me diras oui. Pourquoi tu iras se poser comme un haricot magique toi? Moi? Ouais. Ça va ou quoi? Ah Youlou, d'accord, ouais ça va. Allez, bonne soirée les gars. Bah c'est pas du temps. C'est homophobe ça. Ouais, c'est homophobe ouais. Ouais, pour ça j'ai été dégradé. Hein. Pourquoi? Pour insulte. Qui? C'est ça? Qui ça? Il va? Ah, sur Douglas. Ah, j'entends plus rien. Ça... Ah, Douglas, il est parti. J'arrive. Je sais, mais c'est à cause de Douglas. À cause de Douglas? Ouais, c'est pas insulté, c'est ça? Ouais. Parce que tu l'as traité de noir? C'est de la discrimination. Non, lui, il m'a demandé si je voulais devenir noir. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit pourquoi tu veux me chier dessus? Moi, je trouve ça rigolo. Bah, ouais, mais bon. Le général, il fait quoi de ses thèmes? Ah bah le général, il est général, les gars. Bah allez! On se casse parce que nous, on a des gens à sauver. Nous, on est deux. Ouais, nous, on est deux. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ah, mais... Bah non, j'ai hâte de pouvoir passer ma formation, mais bon... De quoi? J'aimerais bien pouvoir passer ma formation, mais... Salut, Collins! Comment ça va? Merci mon petit Collins, merci. Ouais, vas-y, vas-y, je t'écoute. Hein. Ah non, mais voilà, il y a toujours, il n'y a jamais de formateur, et puis là, il faut aller voir les marshals, et puis c'est la merde. Ah. De toute façon, il y a tout qui est de la merde, apparemment. Ouais. Non, il y a quelque chose qui n'est pas de la merde. Pourquoi t'as un masque? C'est pour paraître plus méchant. Ah. D'ailleurs, c'est oui, je vais le tirer maintenant. Ah, oh, mais on m'a grillé à priorité aussi. Ça en fait de la fumée pour un petit carte comme ça? Bah oui. Ouais. Ah, pas de bonbons? Une équipe au mazout? Ah ouais. Une équipe LPG aussi. Ouais, bah, tant que t'es pas blessé, ça va. Ouais. Ouais. Du coup. Mets-toi entre les camions. Mets les camions. Mets-toi entre les deux camions. Ah, trop tard. Voilà. Où c'est qu'on aurait pu jouer la scène de taxi. Ah. Ouais, ça aurait été bien. Ça m'a bien pris. Ah merde, faut pas le dire, c'est la radio. J'ai pas mis la radio. Ah oui. Ouais, oui. Ah. T'es en train de dire que je suis de la merde. Ah non, je... Question. Test. Reçu. Est-ce que par hasard Nick Nick a cherché des tags? Je ne pense pas. Génial. Il va pas aller prendre. Vous êtes en train de dire qu'on va chercher des tags ce soir? Bah, why not? Why not? A little bit be funny. Ah, funny. C'est très belle voix. Ouais, je sais. T'as vu, je chante bien. Hein. Ouais. Funny. Never sleep in love to you. Je t'aime, Dix. Ah, ça me fait plaisir. Et du coup, pour mon grade de lieutenant, ça avance? Ouais, ça avance, vas-y, vas-y. Ah, yes. Pas mal, ça aussi, non? Ah, non, mais c'est cool. Ah, attends.
tous les jours qu'on se virait. Tous les jours. Ouais, non, mais c'est... ça dépend qui, effectivement. Hein? Ça dépend qui, parce qu'il y en a qui se font pas assez virer, moi, je trouve. Bah, c'est vrai. On devrait les virer un peu plus, sachant. Ah, purée, ils en mettent du temps. Il manque des effectifs, on dirait. Effectivement. Il en manque. Effectivement. Bon, on attend qui? On attend quoi? On nous attend, nous, parce que nous faisons les petites sœurs. Ah, donc vous maniez le cul. Vous avez pas un doc dans la BRF pour savoir si vous avez pris les taxes ou pas? Si, si, justement, mais il a rien pris encore. C'est vraiment le pire des oubliés. Allez, on va chercher. Bon, bah, go. Bah, go, direction l'ADC. Puis l'ADC, puis voilà. Ah, un fourgon. Hein? On prend pas un fourgon blindé? Bah, t'as besoin de fourgon, toi? Pour te faire braquer? Bon. Fais-moi une com longue à toutes les unités et qu'on va chercher les taxes. Et que si on déclenche nos balises, on a besoin de renfort. De Syrah à toutes les unités, pour information, nous allons chercher les taxes de diverses entreprises. Si nous activons nos balises, ça veut dire que nous sommes dans la merde. Merci, mon reçu. C'est reçu ou c'est pas reçu? Vous avez reçu derrière? Moi j'ai reçu. À la longue, oui. Ok, donc je vais prendre juste un bon. Ils ont pas encore sorti de véhicule, ils sont en train de se toucher. Mais ils sont sérieux, là? Ça se fait qu'il y a personne ce soir. Ouais. Les gens sont venus au passage de l'orage, on n'est pas sur la race, on était sur deux. Ah, ça c'est le petit piment, mon petit Valentin. Le petit picoquement du truc, toi. Hein. Est-ce que je vais être pris ou pas? C'est ça le truc. Et bonjour tout le monde, merci d'être présent. Merci à tous. Merci, bonjour, bonjour tout le monde. Elle est fermée l'entreprise. Hein. Oui. Alors, on rentre pas comme ça, oui. Avant d'entrer. Ouais. Non, je vais dire toc toc. On va faire toc toc d'abord. Oh mon toc. Putain, le canif là de saucisson. Y'a quelqu'un? Oh! Il y a une arme qui était déposée, Jeff, dans. Okay, là. Ah bah si, il est là, monsieur de la DC. Bonjour. Je vais envoyer un message au Marshall, là, c'est bon. Salut, salut. Ah, messieurs. Comment ça, au Marshall? Oh, ouais. C'est quoi, votre bagouille, ou quoi, hein? Et moi, je suis allé récupérer mes armes qu'il y avait dans l'entrepôt, les XMU. Et notre ancien... Pour faire la formation ce soir. Ah, c'est votre ancien chef de la sécu? Ah, il est en tout, bah, c'est ses armes et... Ouais, parce qu'il est bizarre, tu vois. On dirait un dealer, c'est ça, hein? Un dealer. Ouais. Un étranger, lui, non? Non, c'est... Vous êtes un peu étranger, monsieur, non? C'est un homme qui est très gentil. Qui... Ah ouais. Ouais, je suis un colombien. On peut lui faire confiance. Ah, mon dieu. Oui, 8. Oh! Bah, écoute. Je vous mets vite fait. Au pire, vas-y, monte dans l'hélico, viens, on va à la prison. Comme moi, j'ai rien avec le colonel et tout. Là. Bah, là, on se casse. Allez, vas-y, faites votre boulot, les gars, là, putain. Bah, y'a personne. Mais si, il est là, le monsieur. Il est là, monsieur, il est là-bas. Ah, mais monsieur, là, il est. Il y en a un autre qui déplace des camions. Vous avez Alors on va peut-être être un peu plus responsable. Négatif. Ah. Je sais pas où ils sont. Bah non mais en fait t'as pas le quai. Non mais fiston, je vais lui défoncer la gueule. Mais y'a personne là, c'est le seul ici. Je vais poser une question toi. Non mais j'essaie de vous répondre. Ça monte le ton.
bon comme ça d'un coup. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas pas me chauffer, toi, hein. T'as déjà bu un mojito secoué? Quand tu retournes un verre de mojito avec du mojito dedans, ça fait quoi? Bah ça le renverse. Excuse-moi, j'ai pas écouté. J'étais un peu... Mais il écoute pas en plus. Il écoute pas quand je parle. Putain, putain la vache, il écoute pas. Je vais te virer, toi. Je vais te faire virer. C'est tranquille, je me suis déjà fait virer, du coup ça va. Mais je vais te faire vraiment virer, en fait. Ouais. T'es viré. Ok, je suis viré. Bon bah voilà, T'as un rendez-vous avec les marshals? Ouais. Hop, tu signes pas, c'est moi qui signe. Allez, ouais, c'est voilà. T'es viré des marshals aussi. Attends, je vais leur dire. Ah ouais, ouais. Vas-y, appelle-les. Tu dis, ah, je suis viré. Ouais, à plus. Ouais. D'ailleurs, monsieur avec le chapeau et la grande barbe, il m'a dit que j'étais viré, du coup, je suis viré. Voilà. Exactement, t'es viré. Voilà. Bon, allez, bonne journée, monsieur. Salut le viré, à plus. Le viré. Oh là là. Quand il y a du bif à se faire, ils sont là. Quand il y a plus de bif à... Quand il y a du bif à prendre, ils sont bon, ils sont pas là. Bon, allez, on se casse. Allez, on se casse. Hein. Ça bug. Qu'est-ce qui bug? Nick forcera. Transmet, Nick. Est-ce que vous êtes sous couverture ou je peux me poser en hélicoptère? On est sous couverture. Tu vas te poser à la colline qui est au nord-ouest de du carrefour Hertz. D'accord. Qu'est-ce pas compris, mais d'accord. Voilà, tu te poses loin. Qu'est-ce qui bug, mon petit Collins? Ah oui, ça bug, ouais. J'ai une co de merde ce soir. Mais une grosse co de merde. C'est normal que ça bug. C'est vraiment une co pourrie. Pourrie ce soir. Hein? Ah si, c'est pourri. Bien se poser où? Hein? Mais salut Tiral. Viens là, ça va. Y'a personne, j'en profite. Yes. Quand on se dit loin, c'est au moins sur notre route, quoi. Tracteur? Annulé, on arrive. Ouais, non, ça, c'est vraiment une misère. C'est bon, les sons. C'est le LCO qui vient d'envoyer le message. Rafi. Des petits choix de PD plus. Bah j'aimerais bien putain. Sans déconner, hein. C'est une catastrophe, hein. C'est de pire en pire free. Hein. Là, franchement, il me saoule. Quand je vais pas chez ce but télécom, au moins je serais pas emmerdé. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et je suis en 4G, les gars. Nous, en France, on a vraiment du retard dans Internet. Après, on va se faire made in France, là, mais made in zéro, en fait. On n'est pas capable de mettre une connexion Internet adéquate partout. C'est vraiment un problème en France, c'est Internet. Tu vois, on est vraiment à la ramasse par rapport à la Suisse ou la Belgique. C'est même l'Allemagne, quoi. C'est catastrophe. Alors, en tant que Suisse, je confirme. On a une plutôt bonne connexion Internet. Ah ouais, putain, c'est un truc de fou. Nous, on a que de la merde. 4G. Hein? Même la couverture 4G, on l'a partout. Enfin, c'est...
Bah oui. Nous, dans notre pays de merde, qu'on a rien. Par rapport à ça, on est en retard. C'était... Ouais, c'était limite. Ah, mais c'est... En fait, c'est la faute à ces opérateurs qui veulent faire tout moins cher, moins cher, moins cher. Si c'est moins cher, ben c'est que c'est de la merde à un moment donné. Bah oui. Mais on a une armée, nous. Ouais, bah ça sert à quoi l'armée? Nous autres, ça sert à rien. Là, en Suisse aussi, on a une armée, pas de problème. Mais tu sais, quand tu vois les. Quand nous, on voit les pubs à la télé, je parle en tant que Suisse, puis tu vois. Pour je sais plus combien de mégas, c'est 12 euros par mois. Bien, moi pour un mois, avoir tout illimité, message, internet avec un bon débit en 4G, je paye un peu plus de 100 francs. Patrick. Ah, et ça, il faut aussi dire que. Ouais, mais, et ça marche quoi. Ouais. Bon, en Suisse, voilà, t'as deux opérateurs. Les trois, grand max. Il y en a un qui. Il n'y en a qu'un qui est vraiment performant, et puis c'est celui qui met les tarifs les plus chers. Bah ouais. On s'arrête à la LC du coup. Et à fier. Le panneau. M'inquiète depuis tout à l'heure, il bouge pas et juste il souffle. Tu veux que je t'aide à faire les poches ou pas? Hola Dias, mi amigo, comment est-ce? Tu vois quand je t'aide à faire les poches ou pas? C'est encore toi? Ah, ouais, non, c'est là, pas quoi? Bah toi? Qu'est-ce qu'il veut? Moi, tu vois que je t'aide à faire les poches ou pas? Monsieur, il a un problème cerveau. Il ouais, y a depuis pas que le cerveau qui a un problème. Oh oui, il touche les fesses depuis tout à l'heure en fait. Ah. Fais comme ça, regarde. Comme ça, comme moi là. Oui, il touche les fesses, il se dégratte. Ah Qu'est-ce que vous cherchez dans vos poches depuis tout à l'heure? Je peux vous aider? Hein? Ouais. Attendez, je regarde si c'est pas dans mes poches à moi. Patrick, attache. Ça t'es pas dans mes poches. Pour vendre le bâtiment. Alors, du coup. Eh hey, monsieur, vous voulez voir un truc drôle? Non. Venez avec moi, venez ici. Ah bah alors. Monsieur. Vous êtes prêts? Ouais. Et bam! Coucou! C'est bizarre quand ta tête va pas du tout avec ton corps. Tu fais bête. Vous faites peur, monsieur. Vraiment. Monsieur? Oh, merde, moi je m'en vais. Ouais, moi je m'en vais. Parfait. Bonjour. 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 C'est ça qu'on achète voiture luxe? Exactement. Ah, moi. Ouais, bah super, moi 50 000 dollars. Je dois sortir voiture pour 50 000 dollars. Alors, si vous voulez, on peut sortir une image. Et bon, ça, c'est pareil, une quoi? Une photo d'image JPEG après mettre ça après en derrière pour ce là, si vous souhaitez. Toi, t'es en train de te foutre de ma gueule ou quoi? Mais non, monsieur, mais pour 50 000 euros, monsieur, je suis ici, vous avez pas trouvé grand chose malheureusement. Ah bah, tu me trouves quelque chose pour 50 000 dollars. Bah, moi je sais ce que tu peux avoir. C'est ce que je veux dire, monsieur. C'est la photo. Ça. T'es en train de me dire quoi là? C'est un bâtiment pour gros. C'est quoi ça? Avec 50 000, on peut rien. Ça vaut très cher. C'est ça. Ouais, on va faire un tour de magie, regarde maintenant. Arcanium, Gilium, Volium. Hop, t'as vu? Il est pas à nous, hein, le bâtiment. Oui, en plus, il n'est pas à nous. Il est à qui alors? Gouvernement. Ah, c'est gouvernement. On va aller voir le ministre. Alors, excellente idée. Eh ben, on va voir le ministre. Ouais, il y a pas patron ici ou pas? Non, pas actuellement. Oh, j'aime pas. Quoi être vendeur? C'est tout. Je suis un vendeur. Et lui collègue à toi ou pas? Lui collègue roumain ou pas? Collègue va. Lui collègue corse parce que lui dormir. Ma grand-mère m'a toujours dit attention aux banquiers et aux vendeurs de voitures, plus gros voleurs. A new follower.
Merci Naron, oui. Merci à toi, merci leur follow. Attends. Bienvenue à toi. Ok. J'ai quoi, pardon? Aurélien, tu vas sur. Bon, désolé ce soir hein, de ma connexion, mais elle est pas top top. Elle a des micro-coupures, je pense qu'il y aura des micro-lags de toute la soirée. Et tout. Parce que là, je regarde depuis tout à l'heure, mes stats sont pas très bonnes. Désolé encore pour les dérangements du live. Alors ça part de 1 million, là par la moto part de 340 000 et ça part de 1 million jusqu'à 25 millions. Oh, tu vas avoir catalogue moto ou pas? Bah j'ai une moto mais j'ai un catalogue de il y a toutes les voitures, il y a tout dessus directement sur le site. Non non, moi je veux catalogue moto. Bah il y a qu'une seule moto. Ah, c'est la Ah. Mais oui. Et ça c'est moto luxe. C'est moto luxe. Exactement. Luxe, pas luxe. Ouais, pardon. Ouais, c'est à votre droite, monsieur. On monte tout à l'heure. Je pense que c'est de pression en plus. Hein. Oh. C'est quoi ça? Si, j'aime la moto. J'aime bien les motos. Catalogue marche pas, vous en prie. Catalogue marche pas. Ah, je vous prie que. Ah, si, ça y est. Catalogue. Ah. Moi, avoir un peu son corps. Oh, moi, je moto très moche. R1, BMW, sa voiture poule ici. Ça. Il y avait un problème de brancard. Tu vas vendre l'hélicoptère? Non, nous vendons que des véhicules terrestres. Terrestres roulés par au sol, quoi. Oui, c'est ça, sur, okay. Sur bitume. Ok, très bien. Alors, moins 50 000, toi, à voir, quoi. Alors, pour 50 000, rien, on verra, je crois, monsieur. Je suis désolé. Ah, toi, vendeur ou pas vendeur? Ah, vendeur, mais il faudrait. Bah, toi, faire grosse remise à moi et moi, acheter des véhicules à 50 000. Je ne pourrais pas me permettre de faire des remises en tant que simple vendeur, voyez-vous. Ton menteur. Moi, je sais déjà que des gens sont venus ici demander remise contre savon pour laver vous. Donc, ouais, vous moi, savez, proposer gel douche. Ça va être un peu compliqué. Ah. Toi, préfères herbe mais, herbe de Provence. Pour la causer. Moi, j'aime bien, mais ouais. Personnellement, mon patron ne va pas trop apprécier, voyez-vous. Farine. On va proposer farine. Bah, pas trop, elle acceptera que. Bon gâteau, parce que j'ai vu que madame, femme dans l'entreprise, donc femme faire gâteau, et toi travailler et toi bien manger. Bah, monsieur, vous savez, là, nous on prend que. Oui, mais parce qu'en fait, cette femme a fait des gâteaux avec l'argent de voiture, voyez-vous. Ok. Toi, pas bon vendeur. Ça. Toi, pas monsieur. Vraiment bon vendeur. Toi, pas bon. Allez, allez nous partir. Allez, nous dégager. Vous êtes sûr, monsieur? Regardez-moi cette belle voiture, par exemple. Non, on se casse. Ok. Allez, on se bouge. Toi, vraiment problème. Toi, baillé, toi, fatigué. Toi, avoir pas bougé depuis tout à l'heure. Comment être fatigué, toi? J'attends quelqu'un. Ah, tenez, moi, cadeau à toi. Tiens. Moi, je te donne ça. Il y a personne pour reprendre les sous aussi. C'est ça. C'est pour toi. Cadeau pour toi. Moi, je le veux en GMK parce que sinon, je pourrais pas compléter ma collection de votre voiture, de votre garage. Allez. Allez, nous partir, nous revenir avec 100 000. Moi, revenir tout à l'heure avec 100 000. Hein. Bon, à mon avis, c'est mort. Allons sauver des vies. Je t'ai dit, attends. Tu voudrais bien qu'on en reparle un petit peu un autre jour quand je. Quand je serai en service, sans problème. C'est une grosse crise. Ouais, doucement. Hein. On a, il nous reste LCO et Oil à la limite. Mais ouais, la LCO, c'est pas avant une heure apparemment. Ouais, bon, c'est mort. Bon, allez, on fait notre boulot de policier sécurisant l'île. Y'a des vendeurs d'airsoft à la place de Kavala. Amobi en noir. Ah, et on se casse, c'est Airsoft Kavala, urgent. Genre, ils ont des costards noirs, enfin habillés en noir et sacs à dos blancs et ils vendent des airsoft. Eh ben allez-y, on va aller choper les petits vendeurs d'armes. Ah là là. Ma free connection. Que c'est beau. «
Il y a déjà des unités sur Kiev là, mais bon, ils font rien donc. Ils se branlent les couilles depuis avant. Ça doit faire du bien. Et Octavia, elle peut pas se branler les couilles, Octavia. Bah, on va pas rentrer sur ce sujet, c'est un intérêt glissant. Joli. Ouais, j'aurais pu passer par là. Toi, puis tu l'as pas fait. Ça, c'est quand les prochaines formations conduites? Enfin. En vrai. Personne qui devrait passer une formation pour conduire correctement. Pourquoi? Monsieur, c'était quand? Et bah j'étais en patrouille avec des Vipers ou des Cobras. Tous les 2 mètres est cassé. Ah, après, c'est chance, hein. C'est... On était sur une course-poursuite. On pouvait rien faire parce qu'à chaque fois, il n'y avait qu'un véhicule qui suivait. Les 2 autres, ils cassaient derrière. Puis le temps qu'il rattrape, bah c'est l'autre qui cassait, c'était horrible. Ah, c'est chiant. Tu m'étonnes. En parlant de merde, c'est moi. Non, c'est bon en fait, j'ai totalement géré, c'était fait exprès. Ouais, ou pas. Ouais. Ah, mais c'est qu'il y avait Fergil. Catastrophe. Des hommes en noir avec des sacs. Avec des sacs blancs, c'est ça? Je vais voir un peu plus loin. Ouais. Impossible. J'appelle. C'est quoi là? Je prends juste l'appel. Je mets sur carte. C'est loin les gars. Tu fermes la voiture, c'est déjà que tu me donnes pas les clés. Ah, si tu les as. Vas-y. Prends-moi tout le monde. Oui. Personne là, les gars. C'est fou celui-là? Il est arrivé de où? Vous avez demandé des infos civiles? Non, mais il y a personne en fait là, il y a vraiment que des civils. Oh, ok.
Vous en plissira ou pas? Je regarde la voiture. Ah, on se casse. De là, ouais. Le stop, pas... le respecter, mais à un moment. Eh, c'est pas un feu rouge, hein, c'est un stop. Faire le stop. Merci. C'est pas un feu rouge. Ouais. Hein? Du coup, la Magic Bubble Shop, elle est ouverte? Ah si. On va en dire à se présenter à eux ou pas? Ah si. Ah bah ok, c'est bien pris. Ah si. Ça va, Jeff? Ah si. Tu t'es bien amusé aujourd'hui? Pas du tout. Ah purée, t'aurais dû continuer sur les amphis. Ça tire là, hein. Ça doit très certainement être au... l'armurerie civile, ils testent leur arme. Allez, gaz. Tiens, pour moi, il venait plutôt de... du truc de bois là, etc. Genre mine de feu. Genre sur les collègues, quasiment. Ah, fi, ouais, c'est plus sur la gauche, t'as raison. Ça vient depuis là-bas, hein. Ça vient même de Cavala, en fait. Ouais, bah c'est bien ce qui me semble. Bah les go, hein, si ça tire pas loin de Kavala, faut les louer. Rappelle que c'est la capitale d'Altis, hein, enfin notre capitale du monde. Oh, on fait le plein, y'a un canari sur la route. C'est bien pris, on va juste prendre un peu de hauteur. Bon les gars, faudra peut-être se bouger un petit peu la position là d'observation. Allez hop 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 hop. On voit rien là, ça... vous êtes mou là. On voit quelque chose. Ouais, on voit quelque chose. Vous êtes mou les gars là, putain. Ça passe quoi là ce soir là? Je vous laisse faire depuis 5 minutes là. Ben, ça tire pas, bah ben, tu mets en hauteur, tu regardes. Ah là 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 là, mec, faut tout vous apprendre là, vous êtes mou ce soir là. Non, non, je t'avoue que. Merde ma forme aujourd'hui. Bah ben, oui, bah, ben, bougez un petit peu. Ah, puis rien là. Ça tire pas, allez, on se casse. Putain, les gars. Réveille! Pas comme ça que vous avez passé grade, hein! Je vous le dis, moi! Non, il va y avoir quelque chose. Pour l'instant, au café. Ouais, direction terminale, les gars, il se passe plus de choses qu'ici. Là. Sûr, ok. Allez, c'est parti! On est combien de tirades, hein? 5. Ah bah putain, je croyais qu'on était 2. Ah non, mais il y en a un qui dort dans notre voiture. Allez, prenez un maximum de renseignements sur le numéro de téléphone, tenue, véhicule, etc. Là. Faut que ça percute! Thank you.
cheerlead pour Octavia. Cheerlead pour... Réitérer. Appelle-moi CPA, dit qu'il y a un L4 sur nous. Pour CPA, on a la position Octavia au niveau de la papeterie. Il bouge pas depuis plus de 5 minutes. Est-ce que vous pourriez aller voir ou pas? Franchement, au lieutenant, je vous réponds directement. On est sur le braquage de la bijouterie. Ah bon. Bien pris, on arrive aussi de tirer. Passe canal 1. Bien pris. Test canal 1. M249, j'ai jamais utilisé ça. Ouais, c'est bien ou pas? Ah, c'est un bonheur. C'est vrai? Vraiment. Ah ouais, que ça soit en corps à corps ou en moyenne distance, c'est un bonheur. Alors, corps à corps, défonce tout, littéralement. Voiture, pas voiture, ça passe. Et puis, il y a quand même une petite de 600 mètres, 600-700 mètres, j'ai fait des tirs avec. Donc là, on a la... une tir-set grise. Normalement c'est eux les trucs qu'ils ont braqué, on est pas sûr, faudra les demander à la LC. À la LC ou pas, en quelle direction? Elle est sur nous là, elle est arrêtée. Ah puis plusieurs modes de tir. Si on suit, y'a pas de Pax ou autre personne. Y'a deux messieurs, Les deux messieurs là, on vous les laisse, nous on redécolle, ils sont en train de réparer le véhicule. Ah tous, deux DD, y'a un L4 avec tireur. Vous êtes cons les gars, vous êtes graves. Mettez dans l'hélicoptère les gars, on va s'en occuper. Il est dedans. C'est quoi le L4 au-dessus là, le tireur hein? Aucune info. Où les packs ça du coup? C'est beau les gars. Ok, CPA de Sierra. Transmet. Le L4 est avec deux tireurs armés full équipe. Afi, actuellement on va bien, on a un collègue qui s'est écrasé. Afi, il part direction bijoutier. L4 dit direction bijoutier. Que du sable. Allez les gars, vous allez rester planté là pour qu'on nous braque ou comment ça se passe? Réglise cette histoire des braqueurs? Ah, je sais pas, j'entends rien, à mon avis, oui. Médecin de CPA Lead. Transmet pour Doc. On a besoin de personnes à la BR pour soigner. Pour soigner qui, quoi, comment? On a besoin de sécu civil à la BR. Blessure par pare-choc. De Sierra pour CPA info sur le braquage. J'étais là au dire que qui était juste à côté de nous là. Quand nous on était posés. Je sais pas si vous les avez interceptés, et normalement c'était eux, c'est ce que m'a dit un mec de la LCO. Demande transmise. Ok, Jeff, Jeff de Mitchell. Allez, je crois que ouais, on a perdu Octavia et son coéquipier, hein, j'ai plus personne sur la carte. Ouais, FFI, ils ont dû se crash, je ne sais quoi, mais ça faisait plus de 5 à 10 minutes qu'ils étaient immobiles. Ouais, bien pris. Je sais pas, qui sont affiliés, hein. En attendant leur lead, ils ont pas remarqué une seule fois leur absence. Civil dans le Land Rover. Ah, c'est pas cette RSS. Bon. Ouais. Tu vois tout, Jeff. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Pourquoi Dédé il a la main sur l'oreillette? Bonne question. Bah non, je vois, moi je vois des dés que ça marche pour Yeti, ça fait même problème avec le... C'est quoi la radio là? C'est des dés. Bah les gaz. Ouais, on va où?
Direction où? Dans ton cul, Akira! J'en ai marre de ma co de merde. Franchement, j'en ai ras le cul de ma co de merde. Une galère. Hein? Il y a un truc qui a explosé sur la gauche. Ça? Où ça, à gauche? À peu près au niveau du bijoutier, je dirais. J'ai pas bien entendu, j'ai juste entendu une petite explosion au loin. Ah. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Deux hélicoptères qui tombent, ce genre de choses. Ça arrive. Ça arrive. Non. Ça arrive. Ah ouais, ça arrive aussi. Est-ce que le 48 MHz c'est le son 3D? Bonne question. Ah, c'est une bonne question ça. Vous avez déjà posé cette question ou pas? Oh, pas en tout cas. Moi, je suis toujours posé cette question. C'est une très bonne question à avoir, hein, je ne juge pas. Question que je me suis toujours posée. De le tutu. Voilà. Bon. C'est quoi tes ambitions, Zizi? Dans Syrah? Non, bah dans Syrah, non. Généralement. Hein? Dans la généralité de la vie continentale ou... Ouais. Bah, pour l'instant, ça va être commencer des études pour être ambulancier. Ah. C'est bien pris. Pour l'instant, je fais chauffeur. Je conduis des ambulances. Ouais, c'est bien pris. Et puis, Bouge pas. Ouais. C'est vos collègues en face là-bas. Monsieur. Ouais. Dis-moi, est-ce que vous auriez pas croisé une corvette qui s'amuse si. À braquer un peu tout le monde? Si. Et vous si, a braqué si. Non, elle a essayé. Mais elle s'est barrée à pire gousse. Une corvette. Okay. Ouais. Bon, je vais voir. Merci. Ouais. Allez, vous suivez la Nissan de près, elle veut braquer. Elle a 6, au sûr. Il y a déjà une sonde. Ouais, bah excuse-moi. Il est là-haut, le quin, quand on voit. On fout de la. Il y a des braqueurs en corvette, les gars. Ah, fi, toi aussi, il vient de poser la question. Ouais. Le problème c'est qu'hormis la corvette, il sait pas nous donner plus de description malheureusement. Embêtant. Ah. Si tout d'un coup la voiture part tout droit et que je ne réponds plus, c'est que... Avec un peu de bol, la bubble sub sera ouvert. Je suis fait frapper par la foudre. Pas la foudre. On pense avoir un bel orage en dehors de chez moi. Hein. Et bah une fois sur deux, bah la connexion qui fait au revoir. Ah ouais. Ah sinon ça marche bien en Suisse. Ah mais t'as encore une ligne aérienne. Ouais c'est vieux mais des fois ça plante. Bah oui c'est normal.
On verra, pour l'instant il est loin, mais ça se rapproche. T'avoue que j'ai un spectacle devant moi, c'est super joli. Ouais, vraiment. On va pouvoir faire un tour à l'LC où vite fait. Ouais, gars. Ouais, c'est bien pris. Je vous sens mou ce soir, je sais pas pourquoi. Mais je vous sens mou. Ah, je t'ai dit là, moi je suis KO, j'ai dormi une heure cette nuit et j'ai. Là, je suis quoi. T'as fait ta candidature officielle, Zizi là? Non, vu que je suis Syrah, Du coup, voilà. De dos pour tous, les collègues qui étaient sur papeterie ont eu un crash d'hélico et la sécurité civile m'a ramené leur équipement. Ouais, comme je. Ouais, vu que je suis Syrah et que je compte rester Syrah, Ah oui, parce qu'après, il y a des choix à faire. Hein. Ah oui, bah voilà. Il y a un camion et je vois pas d'employé. Pas que ça viendrait pas. Mais bon, il y a forcément un mec vu qu'ils ont les camions là, les civils qui viennent. On parlait trop, les gars. Oh putain, je suis fatigué, con. Pourquoi je suis fatigué? Oh merde. Hein? Pourquoi je suis fatigué? Tu peux pas le vider? Tu veux même pas m'enlever des lingots? Attendez, y'a du monde là, moi je travaille. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Absolument. Mais qui m'a dit ça là? Viens. Et moi chercher argent. Moi chercher Attends, Bruno s'il te plaît, parce que là on va peut-être les empocher là. Alors, monsieur là aussi? Ah, vous venez dans, juste d'en faire un. Bonjour monsieur, venez avec moi. Ah oui, okay. Moi vous là, responsable. Oui, oui, je peux vous aider monsieur? Venez avec moi, responsable. Je travailler. Bah, c'est pourquoi? Ah, vous en faites pas. Money. Ah, vous voulez travailler? La prochaine fois que tu me chopes un client comme ça, je te casse la gueule. Non, toi travailler pour moi, ça va être mieux. Ah non, ça c'est pas possible. Mais pas pourquoi? Ah, pour moi avoir argent. D'entreprise, quelque chose? Il dit coup de feu. Monsieur, vous faites vous travailler aussi ou vous êtes avec son monsieur? Ne pas comprendre. Monsieur, vous êtes avec le monsieur là-bas? Ouais, ouais, non. Si? Pourquoi tirer? Où tirer? Et pose. Oh, entreprise pas sérieuse ici. Monsieur, par contre, je vais vous demander de sortir parce que c'est dangereux ici. Du coup, est-ce qu'il y a un responsable? Il y a un responsable. Je vais juste vous demander d'attendre à la barrière s'il vous plaît parce qu'ici c'est dangereux. Ouais non mais en fait t'as pas compris en fait. En fait on n'est pas là pour rigoler nous. Nous on veut le comptable ou le directeur s'il te plaît. Pas de comptable, y a pas de directeur. Y a personne là qui gère le pognon? Gambino! Gambino viens ici. Pas monsieur, il veut avoir un comptable ou le directeur. Voilà. Comptable il est pas là le directeur. T'as accès au compte ou pas? Comment? T'as accès au compte? Accès au compte, pourquoi donc? Ramène ton cul tout. Est-ce que tu as accès au compte ou pas? Mais je connais cette tête là. Ouais. Non, j'ai pas accès au compte. Pourquoi tu veux? Ah, je crois savoir pourquoi. Voilà. Tu vois ça avec mon pote là, tout de suite. Ok. Je t'expliquerai vite son. Un jour, tu comprendras qui on est. En fait, on est comme le Père Noël. On vient du ciel et on repart dans le ciel. Ah, mais c'est pas toi. C'est pas toi qui venait entrer nous en fait. Voilà, on est le Père Noël, tu vois. Vous êtes ceux qui prennent des taxes à tout le monde, là. C'est ça. En fait, vous êtes des gens qui viennent entrer, nous. C'est ça. Et tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis sympa, je te rends ton taser sans que tu t'en rends compte, tu vois, en fait. Putain, je m'en doutais, putain, il est où, mon taser? C'est qui tire, là? Je sais pas. J'aime pas de radio. Donc là, on est d'accord que les tirs viennent de votre reprise. Ouais. Bah, je voudrais bien aller voir ça. D'accord, bah dans ce cas-là, j'aimerais avoir la personne qui est en train de tirer depuis tout à l'heure pour moi, Mongol. J'aimerais bien savoir aussi, je viens juste d'arriver alors. À moins que ça ne vienne de la ville. Ah, ça vient de la ville, ça se fight, je crois. On vient de la ville, on a été contacté déjà. Ouais, de la ville. Ouais. D'ailleurs, qui je suis sur le toit, mais pour l'instant, je vois rien. Hummingbird Bah allez-y, je vous en prie, faites-moi une facture. Hummingbird avec qui? Ah mais t'es qu'est-ce, je devais 5 millions. Je devais leur avancer. Pour la fois c'était des petits calibres qui tiraient. Allez, je suis avancé. Je peux pas faire de facture en fait.
Eh hey, mais il faut la carte de crédit des policiers. 5 millions Bruno. Ouais, on a déjà été informé par téléphone. 5 millions directement en fait, il y a pas de code noir sur la carte. Dylan, c'est Bruno qui doit payer. Bah normalement tu peux faire une facture. Non, je peux pas faire de facture. Normalement, je vous devais montrer la carte de la police, ils m'ont dit en mode responsable. Ouais, j'ai montré la carte à votre. Ah ouais, c'est bon, il peut. OK, bah vas-y, il faut la passer 5 millions alors. Bruno, c'est toi qui dois les sortir. Ouais, bah, je leur sors. Salut, Gatinus, comment ça va? Bah, nickel, et toi? Vous avez pas de facture? Comment ça, vous pouvez faire de facture? J'ai une tête à voir. Tu vois, vous allez arrêter de me voler? Je vois pas, je t'en prends. Bah, arrêtez de me voler. C'est quoi la preuve qui me prouve que moi j'ai payé et que vous gardez pas tout pour vous? Oh la vache, putain, c'est compliqué ici. Soit tu lui donnes, tu te dépêches, sinon c'est moi. Venez, hein, il peut pas faire de facture, faut aller à la thème. Oh là là, casse-couille, t'es casse-couille, toi, hein? Quand tu vas tomber entre mes pattes à l'extérieur, ça va chier. Bruno, fais ce qu'ils disent, gros. C'est des gens Père Noël. Oh, les casse-couilles. Et les casse-couilles. Le Yuming, il a une M200. C'est le genre de mec qu'on va retrouver équipement illégal complet à l'extérieur et qui va braquer d'ici. Oh merde, j'aurais pas, peut-être pas le dire ça. Ah d'ailleurs, est-ce que tu peux mettre les mains sur la tête, s'il te plaît, contrôle. Ouais, mets les mains sur la tête, mets les mains sur la tête. Bah, parce que je suis obligé en fait de contrôler. Rien, fou. C'est la semaine, je suis obligé. Oh. Ça me note ici. Oh, je regarde, oui, s'il c'est plaît. Moi. Oh putain. Avec que je passe pas ça à la porte. Tu me payes, Dylan. Eh ben, c'est Jeff. Merci bien. J'ai mal, je suis sorti du bloc opératoire. Ah merde. Tu vas devoir mettre les mains sur la tête. Ah oui, effectivement, mon petit Gaëtan. Bah, sonne-toi bien, prends soin bien de toi. Allonge-toi, prends des glaçons. Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, on se casse, on a eu le pognon. Ah, on se casse. Ils sont casse-couilles, eux. Ils sont graves. Oh là là. Et la plaque, et le machin, et le verre de sky. Vas-y, vas-y, tiens, tu conduis. Vas-y. Oh bah, il m'en manque un, moi. Moi, c'est ton manque. Oh, c'est bon. En fait, eh oh, merci pour ton taser, c'est cool. J'ai pas compris. Comment ça? J'ai dit merci pour ton taser, c'est cool. Il passe où, Bibi? Yonk. Ah, il est parti là-haut dans le ciel. Ah. Bah, ouais, on voit là bien. Ouais, voilà, go fort, parce que nous on a Nick dans celui qui est dans la voiture en train de faire un. Oh, il fait chier lui. J'ai l'impression qu'il fait ce que moi je vais faire dans pas si longtemps que ça, c'est-à-dire tomber dans le coma. Ah, même passer à côté de la bubble shop, il y avait des voitures. Alors Jeff de DD en fait bah y'a l'orage qui a mis Ziz, enfin qui a mis Yankee en PLS. Comme quoi avoir un onduleur c'est pas si mal que ça hein. Non. Qui vient de se réveiller. Il me montre avec moi. Tout central, pour tous, la centrale est du 4 mars.
vous, j'ai survécu là, vous n'aurez pas dans ma radio. Viper se joint à une patrouille Cobra ce soir. Note pour toi, prochain achat, on dit. Pardon ? Prochain achat pour toi, onduleur. Retransmettez là ? Viper va patrouiller avec Cobra ce soir pour cause de manque d'effectifs. Reçu. Reçu. Je vais. Oh là, mec, je vais me coucher. Putain ! Impossible d'avoir d'être autant fatigué quoi. J'ai dormi une heure et demie ce soir. Hey, j'ai pas eu le choix, j'arrive pas à dormir. J'arrive plus à dormir ces derniers temps. Ok, tu vas ramener du chocolat ? Ça dépend. Que tu chocolat, dis du chocolat. Je sais pas n'importe quoi. Oh, bon, ben... chocolat. Bon, chocolat, la noix. Putain, il fait des fumées partout, le long. Du coup, ça s'est fini comment ce gunfight ? Bah, super bien en fait. Depuis que t'es plus là, on a bien travaillé. Allez hop, c'est parti. Ah nickel. Allez Zou. Tu vas repartir ou pas? Ouais. Je vois pas la porte. Putain. Faire ici. Putain. Comment fermer, tu trouves pas la porte? Non mais il trouve rien, il trouve même pas un trou. Mais... Ah putain. Non, c'est une porte césarienne. Elle était bien celle-là. Elle était pas mal. Ouais, merci. Elle était pas mal. J'ai oui, t'es pas mal. J'ai un peu cherché. Ouais, t'as cherché un peu. Vous êtes mou aussi sur le chat, sur le live. Vous êtes tous mou aujourd'hui. C'est parce que c'est mercredi, il fait pas beau dehors, il pleut. Ceux qui sont dans l'est, ils ont 33 degrés. Ceux qui sont à l'ouest, ils ont de la flotte, il fait 15 degrés. Blobs, elle est sur le canapé, elle baille avec la bouche grande ouverte. Bailler la bouche fermée, c'est compliqué quand même. J'essaie de bailler la bouche fermée. Dizzy nous quitte parce qu'il a un aura chez lui en Suisse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu! Ouais, je suis là. Faites la gueule parce que j'ai pas fait un live hier soir. Ou... Du coup, on se balade vers où? Eh bien, on se balade. Ah ah! On va un peu au nord? Malheureusement, on n'a pas d'appel, les collègues sont tous à la BA, donc je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire malheureusement. À part si, peut-être aller à la OIL pour les taxes. Ok, du coup. Allez, 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 allez. Je vais me déguiser pour faire mes lives, ça fera peut-être venir du monde. On va faire une ASMR. Je vais faire de l'ASMR. Je vais mettre un soutif, je vais mettre un string et je vais faire de l'ASMR. Ça marche bien. Hein? Ça marche bien, il paraît. Ouais, bah oui, ça marche bien. Faut aimer faire ça, quoi. Alors, en fait, ça marche bien quand il me gonzesse, en fait. Oui. T'es un mec, ça marche pas trop bien. T'as moins d'avantages à l'écran, hein? Si tu fais un tranquille au bout de la lunette, je pense pas que tous les bouts de vie te regardent, t'as un chien dans un micro, quoi. C'est ça. Il va y avoir le miss. 186-135. Trop chaud, et puis c'est quand même qu'on mange quand c'est mieux que ça n'est pas. De quoi? Trop chaud, et puis c'est quand même comme quand on mange. On sait bien. Tu parles pas, tu manges. C'est bon, ça. C'est vrai. Ouais, mais vous m'avez habitué à être plein et à faire vibrer le chat. Je suis habitué maintenant. Vas-y. Ouais. On est habitué maintenant. Ah oui. On sait que c'était acquis. Mais... Delta Force, canal 4, s'il vous plaît. Voilà. Donc, du coup, je vais me chercher des gâteaux parce que j'ai une petite faim. Bonne idée. Pas con ça, hein. Ouais. Un petit gâteau au chocolat. Ah, véhicule en face. Oh putain, puis je me perds.
j'ai bien vu. Ah, c'est un camion là, oui. Ouais, ça fout. De Cobra Lead, on va aller sur la petite cigare avec la porte. J'ai jamais vu une entreprise aussi. Putain, mais elle est fermée l'entreprise. Il vient de fermer un truc devant. Ah là là, moi voulons faire pétrole. Parce que dans mon pays, pas pétrole. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous voulons raffiner pétrole pour pays Romanov. Moi ? Nous voulons faire farmer pétrole pour envoyer à pays à moi, Romanov. Ok. Bah donne-moi ta carte, s'il te plaît. Et déjà, vous faites pas, vous rentrez pas comme ça dans l'entreprise déjà. Ah bon, parce que ici propriété. Déjà on vous fouille d'abord avant d'entrer. Ah non non non, toi pas fouiller moi. Ah bah problème, si vous voulez pas vous fouiller bah. Moi. Non non, oui. Toi pas fouiller, Ah bah si vous voulez pas fouiller bah. Allez vous bisous, ouais, on fait ça. Oh, belle piscine. Fouiller, ah non, non, vous fouillez pas. De l'État. Oh, belle piscine. Oh là. Moi, engagé par l'État des barbecues. Bah, l'État des barbecues, venir, moi je connais pas. Hein. Nous venir de ministère de barbecue. Oh, y'a un camion là-bas à fumer. Hein. Oh là. Oh, beau barbecue. Ça, ouais, bah, en plus, on a un hélicoptère. Nous c'est votre hélicoptère, on voit le stat au-dessus de l'entreprise. Ah non, ça, pas du tout ça. Ça, pas du tout à nous. Pas nous ça. Et donc, vous voulez faire un barbecue ici, c'est ça? Non, non. Oui, invitez-vous au barbecue. Ah, monsieur, vous savez que si vous vous installez comme ça, déjà que vous rentrez comme ça. Allez, on fait ça. Ramène-nous les chipos, garçon. Allez, moi je suis volatant. Aïe, 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 aïe. Ça pour faire barbecue dans l'océan, ça pour faire croisière. Bon, c'est pas grave. Patron ou chef ici pour. Bon, est-ce qu'il y a un patron ou un chef qui a accès au compte en banque? On a accès au compte en banque, mais on peut pas donner la taxe. Ah là, donc c'est ça la réponse que nous on veut en fait. Toi comprendre maintenant pourquoi toi pas me fouiller? Ah voilà. D'accord, mais en fait vous êtes de l'État, ouais, il fallait le dire monsieur. Ouais, bah, oui, non mais on a envie de voir aussi si. On a besoin de voir aussi si le personnel est sympathique avec les citoyens et que on a besoin de voir s'il y a quand même une sens de philosophie dans cette entreprise de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire, fiston? Ouais, tu sais. Il y a aucun directeur général. Bon, bah on reviendra plus tard et okay. Ah, okay, pas de soucis. Par contre pour le barbecue, c'était sérieux, préparer fermer l'entreprise de 22h à 23h. Ah, il faut vraiment. Bah nous revenir tout à l'heure pour barbecue. Bonsoir, nous avons remarqué qu'il y a un hélico en vol stat au-dessus d'un fort pays. Il y a depuis un petit moment. Ah. Ça clignote en bleu là en face. Parce que c'est un feu rouge. Égal à part. Putain, je reviens à Zizi. Ouais, là, tout de suite, je reviens. Aïe aïe aïe, il faut tout leur apprendre. Oh putain, problème de camion qui saute là, il y a des camions sautent. Souvent c'est à l'inverse.
caméra, on va s'arrêter faire le. Ouais, c'est bien pris. Re les enfants. Bonjour. C'est un idée quand tu es pied. Est-ce qu'on peut en direction Sofia? Ouais, pas beaucoup hein. Ouais, affirmatif, on va aller faire un petit tour là. Oui, mais direction Paros, Kalochori et Ormont. C'est bien pris. On a pas beaucoup de flics quand même hein. Tout ça. C'est une petite soirée ce soir. Ah. Bizarre. Ouais. Ah, sous la lumière des projecteurs. C'est ça. Aussi. Si tu veux. Vas-y. C'est des nouveaux Bombay. Ouais. Ouais. Ça, c'est longtemps que j'en ai plus mangé. Copains, copains, copine, copain. Non, copain, copine. Voilà, c'est des copains, copines. Acide. Je connais pas. Comme vous voulez. Franchement, bah, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il y a personne. Ah, moi je sais ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a quoi? Alors, même moi j'aurais pas dû être là aujourd'hui, normalement. Enfin, j'aurais streamé, mais pas ce soir à moi en fait. Ah, qu'est-ce qu'il y a de beau? Attends, je vous mets en pause, je redémarre juste. Oui. En fait, moi non plus, j'aurais pas dû être là. Parce que j'étais sélectionné pour faire du Rivals Europe sur R6 ce soir. En fait, il y a des escouades de 6 streamers Twitch qui rencontrent des streamers américains. En fait, c'était un tournoi de continent entre streamers. Et j'étais pris dans l'équipe française. Et comme j'étais pas connecté à 19h, bah ils m'ont dégagé. Et donc du coup, bah voilà, j'aurais pas dû être là ce soir non plus, j'aurais dû streamer sur R6. Mais comme j'avais des problèmes de co, bah j'ai pas pu jouer à R6. Et donc ils sont tous en train de regarder le Rivals Championships World R6. Voilà. Parce que R6 c'est jouable gratuitement à partir du 9 juin, c'est pour ça.
part ça, je connais un hôtel pas loin qui a l'air assez sympa, ça va être bon, on y va. Ah, Novotel ou hôtel normal? Novotel. Le Novotel. Hôtel Ibis. Oh, very good, comme boîte à cul. Go aller. Un hôtel. Trivago. Trivago, exactement. T'as des soucis avec la pub dans où est-ce que le hôtel? J'ai que des soucis avec la musique. Ouais. Donde est-ce que l'hôtel? BB Hotel, je baisse bien.com. Est-ce qu'on en parle, qu'on croise vraiment personne là de toute la temps? Est-ce qu'on est, on en parle qu'on est qu'un en flic? Ouais, on continue là, les gars. Allez, route principale. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on le croise pas que la magouille n'existe pas, les gars. Ah bah oui, évidemment. Bah si on croise pas, ça veut dire qu'ils font bien leur taf. Et que nous, on le fait mal. LED, on est 21, tu paries sur combien de mains de présence? Full complet, 30. À 22h, à 20h01, on sera fou. D'ailleurs, demain, je suis pas là, je travaille. Comme ça, j'avertis déjà. Ça me casse les couilles, Yankee, parce que toi, t'es là la semaine, et après, le jeudi, t'es pas là. Allez, mais avec la boxe, je suis jamais là le jeudi. Avec la boxe. Pour ma part, je serai là à la cérémonie, ensuite de ça, je partirai chez mes parents, donc je ne pourrai faire que vous, la cérémonie, ensuite je me barre. N'oubliera pas de me passer sous le lieutenant, ouais. Mes couilles! Allez! C'est le lead des squads qu'il faut même pas passer. Oh, le petit canard dans Molo, c'est à ce niveau-là, après je te reparlerai. Il va falloir que vous dites, les gars. Ah, justement. Moi je ne suis que colonel. J'ai une personne au-dessus, mais c'est tout. Enfin, peut-être deux. Deux. Le gouverneur et le général. Ouais, puis ministre de la justice, non? Ouais. T'inquiète pas, Yankee, je vais. Ouais, aussi, ouais, le ministre, ouais, exact. 3. Sauf le gouverneur, le ministre, le bon, de toute façon, je vais pas prendre de grade, moi je vais me faire virer. Ça, c'est très facile, tu peux demander à Dédé. T'es viré. Ouais, mais Dédé le fait mieux quand même. Vas-y, Dédé. Quoi? Je veux dire le. Ta gueule. Tu vois, j'arrive pas à me faire virer. T'es viré? Ah yes. Le problème, c'est que le jour où ça sera pas, où ça sera sérieux, je vais pas comprendre. C'est ça en fait. C'est ça qui. Merde, c'est ça qui est bon. Elle t'est viré. Ouais, ouais. On ouais, ouais, c'est ça. Non, bon, t'es non, mais t'es vraiment viré en fait. Ah. Ils sont tellement chiés, ces PA, qu'ils viennent nous voir si nous aussi on se suicide. Ah bah non, ils vont pas se faire chier parce qu'il y a un 4 à côté. Et là, pour ces PA, vous avez un L4 juste au-dessus de vous à gauche. Armé, Pax armé. Avec la Pax armé. Bonne chasse. Ah, mais je me ferai jamais virer. Jamais dire jamais. Je te le dis, hein. Y'en a qui ont été surpris. Hein. Ah non, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Y'en a, ils ont dit jamais je me ferai virer, jamais je partirai. Ils sont partis. Quasiment sûr que c'était Pax. Où? Le véhicule, je crois que c'est Pax. Y'a un Ifrit juste en face de nous. Ah bah. T'as un appel long, les gars. Et il attend qu'il nous bloque la route. Attention, il bloque la route. Arrête-toi. Le Sierra pour tous. C'est Sierra. Ah, c'est bon. Le Sierra pour tous. À l'écoute de CPR. De Sierra, on a donc un Ifrit sur nous, en dessous de Sofia. Sierra,
sent les scorpions, ils avaient la même configuration hier. Un Ifrit et un L4. Du coup, on passe canal 1 pour les unités. Pourquoi tu n'as plus de sous? C'est-à-dire de sous? Bah, on a cagnotte? Ah, si, on est dessus. Merde, attends, j'ai plus d'écran. Tu parles quoi, Tyrell, de la cagnotte? Plusieurs Ifrit, enfin plusieurs Ifrit, désolé. Un Ifrit, plusieurs VL qui ont essayé de nous bloquer la route et là ils sont en train de nous suivre. Ça c'était joli. Ah t'inquiète pas, ils sont rangés quelque part. Je vois pas de quoi tu parles, le tireur. Je vois pas de quoi tu parles. On est là au cas où. Vous êtes tous canal 1 là au moins? Vous êtes tous canal 1? Ah, ça le dit, ouais. Ok, d'accord. Bon, qui c'est qui ouvre la négo là? Bah, vous. Mais attendez, attendez qu'il y ait au moins Cobra ou Viper sur vous. Mais ils sont où là? Ils sont dans le sud, de nord, pas Monopoly. Oh là là. Ah, bah ça tech. Nous fait un tech. Allez, avance, avance, reste pas là, fumer. Pareil, allez vers Rodo. Allez, on rejoint les autres tout doucement. On les emmène sur les autres. Si c'est trop la merde pour le véhicule cassé, on peut extraire avec le Delta. Nég, pour l'instant, on arrive encore à les distances. Allez, les gars, on se dépêche, s'il vous plaît, là. Ah, faut attendre les unités qui sont sur le terrain. Non, allez, vers les unités, allez, vers les unités. On se dépêche. De formation, la PMA va être placée pour l'instant dans Paros. Au pire, abandonne ton véhicule, va dans la Mercedes et vous repliez vers les unités. Hein. Là, vous allez rien faire. Viper, Cobra, vous êtes là? Neg, ils sont encore à Rodoubli, là, ils sont Paros. Il n'y a qu'une unité, unité Paros, le reste n'est pas encore arrivé à Rondopoli. Oh là là. Il y a combien de places là? Vous êtes combien en tout? 5? Non, ils sont 2. Nous on peut se barrer. Dédé, t'es combien dans ton véhicule? Nous on est 2, mais on peut se barrer en bagnole. Eux ils sont 2. Ils sont 3. Ils sont 3. Oh! Bon. De toute façon. Tu les prends ton véhicule et tu les rejoins. On peut temporiser en vous en faites pas, on roule assez vite pour temporiser. Les unités sont là dans même pas de 10 secondes, on peut encore temporiser. Il y a une unité qui arrive dans 10 secondes. Vous avez une unité code 10 secondes. Code noir, code noir. Code noir. Attends, je vais pas bouger. T'es prêt? Non, attends, je pense pas. Code noir pour toutes les unités. Code noir à toutes les unités. Trop sûr, t'es combat 2. Ouais, allez, dès que t'es prêt, bah c'est parti. J'ai envie d'avoir des infos sur des véhicules. Se placer là-bas derrière. Ouais. Alors, Ifrit, y a une Ford Victoria noire, Ifrit, Ifrit et d'autres véhicules. C'est reçu. Ah ouais, reste pas là. Ok, il y a du TE aussi. Voilà, tout TE. Tirez dans le phare avant droit de l'Ifrit. Phare avant droit. Oh, je suis une merde. Non, c'est bon. Putain, vous êtes une merde. J'avais pas écassé comme une merde. De Cobra 2, on a traité la Ford Victoria de Paxater. Reçu. De Sierra Lead, on va se placer en niveau T. De Jeff, je commence à réparer le véhicule pour s'enfuir.
Le Nick, je stabilise Bibi, il est blessé. C'est une bonne pause pour toi? Jason, tu rentres toi? Vas-y, je te couvre. Ok, j'en ai bien d'accord. Steph, ça va sur toi? Qu'est-ce qu'il fait le bec là? Con quoi lui? Sur Yol, il fait. Dédé à notre droite sur la tour, il y a un pack. Maître? De Cobra 3 pour Dédé, on arrive renforcé. En renfort, pardon. Il est comme un deuxième sur le haut de la tour. T'as une distance? De Jeff, est-ce qu'on a une PMA établie ou sinon est-ce qu'on peut demander à Fifi? Elle est en train de s'établir sur Dédé. Ouais, je peux faire mieux. Le Cobra 3 pour Dédé. Ah, tu approches les sans-marques. Bazar Micklin ou pas? A tous de Dédé, PAC, surtout armée, position, Zira. C'est reçu, on arrive de Cobra 3. Putain, merde, j'ai loupé lui. Bon, de Cyrillic, du coup, on se dirige direction Paros, on a un coma de collègue. Il descend en rappel. Il est descendu en rappel. La PM est pas encore en place, mais elle devrait pas tarder. Sur. Alors, on va le chercher en bagnole. De Cobra 2, information sur d'autres packs au sol, s'il vous plaît. Informatif sur position à tous de DD. Sur ma position, j'ai un pack, c'était eux. J'ai l'effet sur position Doc. Et sur position Sierra également. De Cobra 2, on a embarqué 3 packs, on se dirige sur Paros. N'y allez pas trop vite, vous avez l'effet au cul. Ramenez-les pas s'il y a le PMA. Si vous suivez. Reçu. Là vous êtes en train de ramener tout le monde sur vous hein. Sur PM1. Ah Phil est fait, il vous suit sur PM1. Ah lui il est fini. Faut pas Phil là rapidement. Ah Phil classer, c'est une bonne idée ça. Il est rectification, il vient de quitter la route. Ah Phil fallait faire tourner avant. CPA de DD. Transmet. Vous avez un hélicoptère avec un tireur de chaque côté, soit deux tireurs sur position Viper. Fille, il y a déjà un dragon sur les... Ah oui, la fille, j'ai vu, excusez-moi. Pour info sur tour armée, au sommet, il y a un Pax commun. Et un Pax s'est enfui en descendant, en rappel, tenue Gilly suite. Négatif, tenue Gilly est mort. CPA pour Sierra et les unités sur les tours, il y a l'Ifrit qui se dirige vers vous. Hein? Ah, il est bon. Ok, nickel. Moi j'ai buté celui en haut de la tour. Oh bah, moi, Simon va écrire la tour. Fais peur le CPA, je sais pas. Il y a les frites qui vous arrivent dessus là. Ils vont chercher à monter dans une tour. Accueillez-les sur la tour. Là, il fait demi-tour. Je reste en bas pour vous couvrir. Avec les frites. Avec le stride. Y'a plus personne là-bas? A voir, non. Je suis en train de spot, mais il me semble qu'on les a. Il y avait pas tant de véhicules hein, à part ça. Avec Victoria, c'est traité. La Focus, normalement, c'est traité. C'était celle qui s'est placée ici. De Cobra 3, tour clean. Les frites, est-ce qu'elle est en endroit environ? En dessous de Delta. En dessous de Delta, en hélico. 230, 216. Au nord de votre position.
C'est clean sur la PMA? Sorti sur... Delta. En dessous de Delta, ils sont sortis, deux. Affirmatif, c'est clean. Allez, on se casse. Ils sont là. Allez, on bouge. Affirmatif, on deux membres de la sécurité. Ah, excuse. CP1, on a... Faut qu'on aura un bon visu depuis là, non? On va peut-être prendre la hauteur là. Delta, ça va? Ah, la fille, ça va. On a eu un coma, il s'est réveillé et l'autre en fait il était juste pas. De Cobra 3 à Delta, il est où? Il était sur une position, il a cassé, les packs sont détendus. Ok. T'as nous ça dit ou pas? Non, c'est pas sur moi. C'est l'Ifrit. L'Ifrit il est cassé. Ouais. Sur un pied. Correction du cercle noir pour l'Ifrit. Sur position de Fax. Il se rend courir dans la forêt. Voilà. J'ai dû prendre le reste à Yannick. Comment ça bouge pas. Réitéré pour le coma? Il y a un coma sur position doc. Il y en a un coma sur position doc. L'autre, on n'a pas le visu. Si j'ai le visu, c'est bon, il est sur... en place sur position doc. Mais sur position doc, il est à côté là. Doc, tu me reçois quoi faire? Ah bah, fiche, je te reçois bien. Ah, faites le bras, faites le front. Ouais, tu m'as tiré sur quoi toi? J'ai entendu ce qui couche le gars. Il tire sur qui, sur quoi? Il est baissé par contre. Bah, sur position doc, il peut pas être baissé. Il tire sur quoi? Il tire sur qui, sur quoi? Vous lui avez remis une balle, encore une. Il est toujours pas tombé? Non, non, encore une balle et il tombe là. Prendez-le, voilà, faites-le se rendre! Arrête de tirer, arrête de tirer! Attends, je peux l'achever là! Eh bah, si tu veux l'achever, bah achevez-le, bah, allez! Ah là, il est tombé, hop! Allez, gaz, on y va! On va le chercher, on va le chercher! Je recharge et puis je pars! Il y avait 3 packs, voilà. Hein, attention! Il y en avait 2 les gars, encore dans la forêt, il est tout seul! Toujours sur Doc, il y en a un Doc, on le voit pas, votre packs! Ah, il est juste à ma droite là! Il doit être plus que blessé! Ah ouais, il est plus que blessé! Il est pas down là? Confirme. Non, non, toujours pas. Le truc, c'est que je peux pas descendre parce qu'il me vise constamment donc. Ah là, ouais, de toute façon, c'est pas mon rôle là, moi je fais juste diversion. Ah, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Il vous vise là. Le point pack s'armer dans tour armé, c'est toujours pas contesté. On va tomber, on va tomber, Delta, on va tomber. Neg. C'est bon, il est couché. Delta HS, ça passe. Faut extraire. Pour ceux qui ont du mal, c'est là j'ai Delta forcément. Qui est complètement blessé, les 4 sont blessés. Salut mon petit Trunks, merci pour ton sub pour le 3ème mois consécutif, merci beaucoup. Merci. Sur position doc, il y en a 2 encore. On arrive, on arrive. Est-ce que je peux vous déposer un personnel ou pas? Négatif, j'en ai déjà 2 là. Récupérez-moi Dimers, le général. C'est bon. Dans le stride, je veux divers dans le stride. Général, c'est fait. Général dans le stride. Passe en conduite. Aiden dans la RS6. Quelqu'un conduit, moi je passe passage. Pas d'autres packs qui traînent. Ouais, vas-y, vas-y. Hey, mais j'y ai touché tous les membres. Putain, c'est fou. Ouais, il lâche. Bisous. Oh, il est content, il a le. Quoi? Bah, il a un émoticône. Ah ouais? Il se boops. Il est bon, il est bon. Il est bon, allez, on charge. Direction. T'as dit RCP, je vais chercher le véhicule. Ouais. Jeff, est-ce qu'on note des points PAX précis, s'il vous plaît? Négatif, tout est maîtrisé. C'est bon, il va. Et sur. Ouais, je le veux vivant celui-là. Il va payer pour les autres. Est-ce qu'on a des unités disponibles pour faire d'autres extractions pour prendre en charge plus facilement? Parce que là j'ai 2 blessés dans mon strider et je vais pouvoir les soigner tous.
Négatif de Cobra Lead, on a déjà affolé dans le véhicule, gravement blessé. Vous en avez qu'un? Pas fi, on est parti. Mais vous n'étiez pas censé en avoir deux? Il y avait plus que Follet. Il y avait que 4, il y avait 4 blessés, hein? Il y avait plus que Follet en tout cas. Ah, ok, reçu. Il y en a qui a décédé. Adam, scanner 3 s'il te plaît. Allez, c'est parti. Direction PMA. Ouais. Alors, PMA, elle est. Ouais. Mais pas là. Hein. Non, j'ai regardé la carte, j'ai pas vu là. Ah bon, on va y arriver. Bon appétit Valentin, à tout à l'heure. Moi investir dans des 4x4. Merci mon petit Trunks, merci beaucoup. Ça va, Iva? Négatif, je peux pas réparer mon véhicule. On arrive. Affirmative, j'attends. Paulette, t'es levé? Nègre, on vient de le déposer, ils étaient en train de le prendre en charge. Ivar, t'as un coma avec toi? Mais il est mort avant que j'arrive ici. Allez monsieur, tenez bon, on arrive bientôt. Bonjour messieurs. Ouais, c'est prêt. Regarde si tu peux pas le. Ouais, je peux pas sortir. Le pilote de Delta, il s'est crash. Enfin, genre, il s'est pris une grosse salle. Regardez ça, attends, il est en train. Il a sorti ou pas? Il est là. Toc, il est plus en perte de sang. Alors, ça fait quoi? Est-ce que ça fait s'il vous plaît, Doc! Ah, ouais, il y a General. On arrive. Ouais, je sais. Ah, il est sous, putain. Par contre, retire tes garros si possible. Pour le. Pour le choc? Ouais. Parce qu'après, il va les garder sur lui. Le stab. Bonjour messieurs. Bonjour. Vas-y, bah ouais. Parfait. Écartez-vous, ça va choquer. Choqué. Pip pip pip. Il est parmi nous. Bon. Ouais, est-ce qu'il y a encore des VL à récupérer ou pas? Restez au sommet. De toute façon, on est reparvé. Finalement, on trois avec les pour sortir, c'est des vêtements de police. C'est mis en fait, il y avait. Ils ont cassé, ils sont descendus. Hop là, bonjour, monsieur. Coucou! Bienvenue au paradis! Putain, c'est ça le paradis! Je suis arrêté de bouger. Bienvenue au paradis, fiston. Merci. Et en fait, j'ai neutralisé le mec en une dizaine de balles, mais ça. Je pensais pas y arriver menotté au paradis. Bah ouais, mais c'est le passage, c'est le rite obligatoire. C'est le rite obligatoire. Ça va, ils acceptent tout sauf les choses sexuelles bizarres. Ah bah tant pis, c'est ce qui va se passer en fait. J'ai juste eu le temps de dire à la radio que Delta on va tomber, et puis on est tombé.
Je suis même pas sûr qu'on a entendu le data va tomber. Ah ouais? C'est quoi ton petit nom toi? Pourtant il m'a dit on a plus de pilote. J'avais Coma le mec au même moment qu'il m'a dit mon petit nom. Pilote. Ouais, ton petit nom, c'est quoi? Je m'en souviens plus. Delta en tombe, Delta en tombe. Ah, bah je vais te rafraîchir la mémoire alors. C'est quoi ton petit nom? C'est pas un petit nom. Tu vas se calmer, monsieur Falcon Wesson là? J'en ai un peu plus. Après ce grave accident, j'ai oublié. Ah, bah ça tombe bien. Comment il va là? J'ai jamais tiré là, j'ai pas tes couilles. Tu ouais. Tu sais qu'en fait, tu vas. Mon collègue, il va t'expliquer en fait. Mais arrête. Tu lui expliques, Zizi? D'accord, des blessés ou pas? Parce qu'il porte bien son nom en fait. Négatif, j'ai plus personne sur zone. Négatif, faut pas le dire ça. Très clairement, ça va faire mal. Dans le sens où. Je pense que tu as remarqué qui on est. Vous avez une Red Bull sur vous, monsieur. Un bandit? Notamment. Tu es en état d'arrestation. Monsieur, vous m'entendez? Là, par contre, tentative de meurtre, hein, vu que t'as quand même tiré sur des forces de la police. Ok, parfait. Tu diras pour elle sera retenu contre toi, tu as le droit Sierra à de... C'est en cours. Sierra DD. Ouais, bah allez, vous m'aspirez le rebelle qu'on a sauvé, vous lui sortez toute la bouche, que vous pouvez, et vous en occupez. Ensuite. C'est compris. Sure. Je veux le nom du groupe, je veux savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, etc. Sachant qu'on les a vus toute la soirée en L4 en train de se balader. Hop, voilà, le monsieur est sur pied, vous pouvez le... Vous en avez... Ouais, non, et aussi, on est censé en avoir deux, mais il y en a un des deux qui a eu un problème de cerveau. Non, bon, ouais. D'accord. Ouais, on va attendre, mais après, une fois que t'as la DSL qui est passée, j'ai ce qu'il faut pour accoucher. Ah, ça, en soi, c'est pas pour volontaire. Notifiez-lui les droits, tout ouais, merdier. Les droits ont été cités. Ah, super, nickel, bien joué, Jusy. Allez, on prend le matériel, les hommes, et direction la BA. Ah oui. Bien pris, on attend que le général soit soigné et on partira avec Doc. Ouais, pour info, il reste que du Delta Force, il nous reste que le général et moi, du coup on aura besoin d'un taxi pour retourner BA. De Sierra, on est prêt. Ou le Doc. Merci. Tu l'as dit, l'autre Falcon Wesson? Oh, on vous a pas sauté, vous. Hein. Ah. N'entravez pas une... Bon, t'es qui? Soit de patience, s'il vous plaît. Soit de patience. On a fait du bon travail, il me semblerait. Moi, j'ai un trou de mémoire, je vous ai dit. Un trou de mémoire, tu veux que je te fasse un trou de mémoire? Adam, c'est ta vitesse. Oui, mais j'ai doublé pour arriver devant. Très bien. Je vais devoir faire le plein parce que c'est critique. Pas parce que j'ai glissé. En effet. Oh, tu sais ce qu'on va faire? On a pris des bidons d'essence pour l'asperger. Petite ville ça va être sympa. Qui s'appelle Molos. Hein? On a pris des bidons d'essence pour l'asperger. Tu me demandes je viens d'où? Ok. Entendez ou quoi là? Quoi? Pardon? Ah ouais, je t'entends. J'ai dit j'ai pris des bidons pour l'arroser. Oh. Ouais. Mais t'as un briquet? Non, j'ai pas clope. Moi j'en ai un si vous voulez. Ah bon, quoi? Couronne 2, j'ai Mathieu de Coma. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la BA? De quoi? On va dans un... J'ai Mathieu de Coma. BA. Mathieu, ok, je transmets. Il s'est réveillé. Sierra pour les unités. Ah, il s'est réveillé. Transmets. Info sur vous? On en parle, c'est direction BA. Bah non. On a eu un code noir terminé, on refait un retour BA. C'est bien pris, je vous attends BA. Des casquettes pour les unités, on a des VL et un L4 qui tourne autour de la BA. Est-ce que c'est une histoire complètement délirante? C'est bien pris, la Sierra. C'est reçu de Cobra. Non, il y a un quota. Quoi? Non, il y a un quota pour les hommes. Tu sais que les indices de Sierra m'ont mis des chargeurs de lynx dans mon sac, du coup,
généralement pour ça. Ah. J'ai envie de dire, c'est moche. Où est le L4 là-haut? Des potentiels braqueurs de la LCO. A été signalé par Casquette. Avant, il y aurait plusieurs véhicules qui tournent autour de la BR. Appelle CPA. Dis-leur qu'on a un hélico avec des tirs. Sira pour CPA. Transmet. Au-dessus de qualité 1, on a un L4 avec des tireurs sur les bancs. Avec pas que ça, mais... Pour le Dragon, on est encore occupé sur l'ancien fight avec les frites là. On a toujours leur L4. C'est bien pris. Ils sont en train de se faire. Ah merde, c'est peut-être le convoi de la. Convoi de. Il n'y a pas les. Oh purée, mais je suis. Marshall ? Marshall, merci, qui voulait faire un convoi. De Adam, ça te douce, il y a deux véhicules sur la main qu'on voulait taper la LCO de Pax. Ils ont cassé, ils sont sur notre position et on a besoin de renfort, s'il vous plaît. Ah bah on arrive, on va les taper, allez. Ils ont cassé là. Jeff, je t'attends, je suis là-bas. Allez, les CRA2, vous y allez ? Si, mais là j'ai le Pax. Hein. Ouais, bah tu vas t'en occuper. Position de la personne qui a cassé ? Sur moi, Adam. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, vous allez sortir du véhicule, s'il vous plaît. Il y a encore des miels sur les LCO, j'y vais. Adam, c'est avec moi. Ouais, ça sert à rien. Allez, hop, hop, hop. Restez pas sur la route, allez sur le bord là-bas. Adam, c'est moi. Vous les avez vus équipe ou pas? J'ai vu avec une cagoule là, monsieur. Lequel? Des SGTR à ma gauche. Ok, on va passer. Bon, allez les gars, vous me sortez tout le matériel de vos véhicules s'il vous plaît, vous avez ils été vu cagouler. Tapez la LCO, ils ont foncé dans allez, un camion. C'est là. Parti. Eh les gars, vous avez des packs sur vous là? On a les frites surtout. Ouais, d'accord, et vous vous barrez, vous nous laissez dans la merde. Non, en fait. Non. D'accord. Non mais c'est... ok. Bon les gars, j'ai posé ce matériel au sol, on a tout vu. Même chose pour la Nissan GTR. Ouais bah... Monsieur. Il saigne encore, mais attends, c'est... Quoi? Monsieur. Ça servait à rien de... Le Cobrado, on est sur vous. Ouais, pas de cagoule, non? Ah si si, une cagoule, j'ai très bien vu, monsieur. Non, monsieur. Moi, je suis sûr de vous, donc vous allez ouvrir votre véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Quel véhicule, il est ouvert. Voilà. Il te fout ma gueule, toi, ou quoi? Non. Vous allez l'ouvrir, oui. Merci. Donc, voilà, tu poses ta douille par terre, ton pétard, tout ce qu'il en suit. Ah, pardon. Ouais. Enfin, recul de 4 pas. Passe sur la tête, s'il vous plaît. Ouvre ta voiture, s'il te plaît. Bah oui, allez. Allez, les gars. Adam, si tu peux venir me chercher la bière, s'il te plaît. Par contre, si votre camion... T'as ouvert ta voiture? Attends. Ouais, oh, elle est ouverte. Ah non, c'est vous, je... Recule un peu. Klaxonner derrière les camions, bah, sûrement pour... Recule un peu. Non, non, pas du tout. Justement, on allait ailleurs, mais... Ils étaient de... On n'allait pas les doubler, en sachant qu'ils étaient quatre. Oh, on l'a... Le monsieur, là-bas, dans sa GTR, avait armé, dites-moi, illégal. Ouais, bah pareil, tu peux interpeller le monsieur. Sur la tête, s'il vous plaît, vous êtes en état d'arrestation pour port d'armes et d'équipement illégal. Vous voyez, on descendait de la ville et on est tombé sur eux. Et j'ai pas pu les dépasser parce qu'ils étaient quatre. S'il aurait été tout seul, je l'aurais dépassé. Mais bon, comme le mec il avait des problèmes cerveaux. Annoncez la radio quand vous me notez. Pas se me noter. Attention, risque de code noir. C'est qui dans la RS6? Tu les embarques? Tu les prenais? On va les prendre. Il est où? C'est quoi de là? Voilà. Ah, bougez pas, monsieur, s'il vous plaît. Tu parles des chules? Eh, mais les portes, elles grincent, du coup. Allez, on est parti de Zizi. Vous prenez le véhicule, vous réparez le véhicule, vous le prenez? Ma fille. Monsieur. Le Canamo? Faut que tu prennes la... des voitures. Apporte la clé. Je sais pas si c'est
Strider nickel, c'est. C'est Strider arnaque. Pour les véhicules saisis, ça se passe vers les. Les locales blancs. Comme ça, on crée ton petit fichier interne. Check interne. Toi, là, ah toi. Oui. Surtout que j'étais de l'autre côté. Non, je suis de l'autre côté parce que je suis en copilote. Pardon, la personne que j'ai dit ça. Ouais. Pour information, tous les véhicules qu'on saisit maintenant, on les met dans le, ouais, dans la petite, dans la cour. Merci. Pourquoi le camion il est toujours là? Pourquoi le camion est toujours là d'ailleurs? Il laisse là, mais on va le déplacer aussi. Moi j'espère que je vais être là à l'heure. Je suis en examen là, du coup j'arrive pas à arriver à. Eh, quand c'est long c'est bon, mais quand c'est trop long c'est chiant. Il a quasi le garçon dans la cabane là, Sira. Nous sommes le 5 du 6 2019. Lequel? Tuche de DD. Bon. Tuche de DD. Tac. Ah, si, il est en train de se faire interviewer. Enfin, interviewer, purée. Enfin, on s'est compris. Interviewer. Ils interviewent des suspects. Association de malfaiteurs non organisés. Est-ce qu'on fait péter Bien sûr. Dédé, est-ce que t'es dispo pour blablater ou pas? De quoi? Est-ce que t'es dispo? Faut que je te parle durant 3-2 spi. Oui, gaz. T'es ouf. Derrière toi. Tu peux venir? Tout à l'heure on a chopé l'Albertino. Ouais. T'as vu la vidéo que je t'ai envoyée ou pas? Non, j'ai pas le temps. Ok. On en parle que Vinny Albertino. Technique pour tous, quelqu'un sait si les marchands sont disponibles? Je sors du véhicule, je dis bonjour messieurs. Ah bon, ils avaient besoin d'aide, du coup je sais pas ce que ça donne. Bon, je vais contacter. Ah! Ouais, merci. Radio! Bonjour mon petit casquette, alors j'étais habillé en police, en photographie. Avec une cagoule. Ta radio est bloquée. D'accord. Donc je t'ai envoyé la vidéo où on voit tout ça. On va voir ça. C'était pour que tu checkes ça. Ouais. Et t'as vu le truc avec Luis Lopez? Non, pas encore. Ça s'est passé là? Pas du tout. Bah pour le moment, il est en visa permanent. Médecin sur ouais, place, ça, je sais. Ouais. Ouais, c'est ouais. Un vrai médecin ou un faux médecin? Je m'en fous vite. Le quoi? Ah, c'est bon, c'est pas mal. Là, je vois plus rien. La mère. Morphine. Allez, s'il vous plaît. Je crois qu'elle s'en occupe. Qui arrive? Mais bon. Mettez les tous les morphines, tout le monde en met une. Non, mais vous êtes déjà deux, bande de gros cons. De quoi? Allez, mettez-moi une morphine, s'il vous plaît. Allez, hop, rien. Faut le jouer. Je suis sous les stèles. Suffit, non? Non, j'ai des flashs de toi pour de lumière en diffracté là. On est tous des blaireaux. Ah, parlez-vous, vous parlez d'où quoi? Tu vois? Ok, bah Roger, y'a pas disponible. J'ai 200 000 sur moi les gars. Dès que les frites étaient down, j'aurais dû poser tout le monde en fait. Ouais, vous sortez les frites dehors là? J'ai 200 000 sur moi. Comment ça c'est? Là c'est la tienne, on est pas sur moi des hein? Sinon les gars, c'est pas une réunion là. On va repartir en patrouille. Ouais, sortez les frites dehors là. Pour de DD. On peut utiliser le livret. Mettez les frites sur le dehors. Ah, je peux écouter. Tout ça parce que ce putain de connard de la SCO a eu des problèmes sérieux. Écoute, c'est fait. Non, pas la Damien, je t'accroche le truc sur toi, ça te dérange pas? Un peu. Oh merde. C'est chiant.
pas rigoler. Voilà. Ah, négatif, je suis avec toi. Et pour des... Nick, je te conseillerais de sortir. Non, on reste dedans. Oh là. J'arrive tout de suite, je suis avec des packs. Ah ouais. Ah, oula. Bah, ça va péter. Bah, les avocats, c'est pas qu'ils se touchent un peu la nouille, mais bon, à chaque fois que je leur demande un, ils sont pas là. Ah bah, j'en ai marre des avocats, ils servent à rien. Bah, parlez-moi mal, y'a pas de soucis, monsieur. Bon, c'est Max PD. Tu feras tout ça après, qu'est-ce que tu veux. Ça a donné quoi on finit de traiter d'abord. Ah, je vais au mur. Donc, ouais. Oh là 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 là. J'en ai marre. Adams, Vicos, Canal 3. C'est la deuxième fois. Sarah, Canal 6. Du coup, Viper, bah go Canal 3. Ouais. Ah, bon bah. Allez, je me dresse. Vous êtes beau, apparemment. Je pense pas à monter. Tu vas se mettre ton point sur carte, du coup. Ouais. Par ça, s'il y a Bibi. Ouais, bon. Enfin, on va faire encore un véhicule en plus, c'est cool ça. Mais oui, bah attends, y'a Bibi. Attends, mais y'a Bibi Nick Nick. C'est bon, on est 6. Ouais, mais y'a peut-être Jeff qui reste pour s'occuper, bon. C'est un véhicule bleu clair. Sportif. Sportif. Ça va, les gars? Ouais, tranquille. Jolie petite. Tout à l'heure, vous savez pas ce qu'on a fait? Ah, on a le véhicule bleu sur notre position. Allez, c'est parti, à tous, véhicule bleu sur position Syrah. Allez, on les intercepte. C'est les bleus. C'est reçu de... à tous de DD là. Mon collègue est pas doué. C'est tous sur Canal 1 pour la poursuite. Viper, Cobra. On poursuit le véhicule bleu armé avec les packs armés. Mais les bleus. C'est reçu de Cobra, on arrive rapidement. Bonjour monsieur. Direction Attira. Monsieur, je vais vous demander de vous arrêter sur le côté, s'il vous plaît. Sur le bas-côté, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. RS7 aussi. Ah. RS7 aussi, s'il vous plaît. D'accord, deux pour ça. Transmet. Vous avez deux swingers au-dessus. Ouais, bah on se dépêche, les gars. RS7 aussi, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Commandant, on arrive sur vous, en fort. Non. Pas vous braquer déjà, donc ne communiquez pas à la fin de des choses comme ça. Mettez-vous sur le côté. Attends, restez là, monsieur. Arrêtez de vous écarter. Vous faites peur, là. Il va rien vous arriver. Je vous explique. Il est dans le dos là. Rien vous arriver si vous restez vers moi. Je disais, on vous explique. Vous savez pourquoi on est là. Police. Mais en fait, regardez vos collègues, ils essayent d'appeler la police. Bien, bonne nouvelle, c'est la police. Ils prennent un petit message comme quoi une voiture bleue sportive attaque des gens. Ah, d'accord, ok. Oui, effectivement, à l'aéroport. Allez, main sur la tête. Donc, monsieur, j'ai refusé de taper sur le. Hop. C'est refusé d'escapion. RS7 qui prend la fuite, RS7 noir. Direction. Direction Attira. C'est vos collègues. Pas grave pour chasse de corde. Non, c'est pas nous. Corde Mathieu. Ah, vous êtes tous avec la même chose. Non, non, mais je vous jure que le 2 lui, il est pas bon. Il est bien comme moi, mais il est pas avec moi. Et donc l'hélico qui est là non plus, c'est pas avec vous. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre dans le véhicule que je dois passer? C'est bien de notre bouge. T'as vu, y'a rien d'illégal sur moi. Je vous ouvre. Vraiment le véhicule, s'il vous plaît. C'est la police. C'est la police. Effectivement. J'ai envoyé un message. Vous avez un feu sur la RS7 ou pas? Oh là, c'est. Pas que ça.
Mais c'est lui, c'est lui. Bah oui, c'était le principal que je crois qu'il s'en passait dans la liste. Deux petits civils. RS est interpellé par un. C'est bien plus que c'est menotté. Tenue robe noire, jean gris, chèche blanc et arme illégale. Illégal ou légal? Illégal. On est interpellé. Merci à vous, la police. Bonjour. À tous les autres, vous tenez en sécurité. Vigilance, c'est peut-être le même groupe. Hein. Ouais, je t'ai coupé. Ça va bien, toi? Quoi de neuf? Ça va ou bien? Code de bon, monsieur? Bah, message, moi aussi, j'ai un message que m'a. T'as un coup pas ou quoi? C'est qui? Bah, c'est moi. Tu te rappelles pas ou quoi? Ça va, t'as le cause? Ah là! Putain, t'as mis du temps ou quoi? Bah, je suis un peu dans la merde là, toi, je suis un peu habillé comme un con à côté des filles. T'as pas de la merde. Je refuse de me braquer avec des petites herbes en AMG noir. Ah ouais? Alors, bon, les filles qui se vont régler ça, c'est eux les professionnels. On va passer tout ce canal 3, les commandes. Ouais, pas Ulysse, ouais, j'espère. Moi, sinon, je vais les marrer, sinon, je vais devoir appeler mes causes. Bah, ouais, ouais. Les exécuter, quoi. Bah, ouais, ouais. Y'a pas le choix, hein! Hey, t'étais là la dernière fois quand j'étais à la B1? Quand quoi? Quand j'étais à la B1? Ouais. Casquette, tu peux te demander un service s'il te plaît? Ouais. Transmets. Non, j'étais pas là, moi. Tu peux continuer avec les deux individus, moi j'ai eu beaucoup de fois de problèmes de tête sur la connexion Redfield. Yep, je m'en occupe. Merci. On laisse la centre médicale. Bah, allez, vas-y, mon petit Rollombard. Redfield? Ah, ouais. Ouais, c'est moi qui ai envoyé un message. T'as envoyé quoi comme message? J'ai envoyé en braque sous l'hélico. Mais en ouais, fait, c'est je pensais que c'était vous braquer. Qui vous braqué par mes collègues. Non, en fait. C'est moi qui s'est fait braquer. Parce que mes collègues étaient en train de se faire braquer. Oh là, bouge. C'est moi qui s'est fait braquer. Donc, monsieur, du coup, c'est moi qui ai envoyé le message. Et c'est parce que je pensais que bah. Vous, entre guillemets, vous braquiez. Allez, je passe. Alors, bouge. Ah, toi aussi, tu t'es fait braquer? Ouais, mais monsieur, je braquer, pas, mais pas du tout, c'est juste qu'il faisait arrêter par la police. Mais on prend rien. Bon courage à vous. Ah, nous on s'est fait braquer, moi je me suis fait braquer par les types bizarres en AMG noir. Transmet Nick. Oh là, je... Est-ce que t'aurais moyen de nous appeler un médecin sur la BA? Bien sûr. De Viper Lead pour les unités, vous avez fumé au niveau des infos complémentaires sur la RS7 s'il vous plaît. Oui, je demande. Par contre les gars, vous pouvez me traduire ce qu'ils disent à la radio parce que j'entends un mot de vous transmise. Bah, ils se disent rien pour l'instant. Retransmettez les infos sur la RS7. Je demande des infos sur la RS7, s'il vous plaît. Refus d'obtempérer et puis fuite, apparemment, il prend la fuite. Et puis équipement illégal et port d'armes prohibées. Attends, pas sûr. Merci. Parce que le cas. Non, il n'y a pas d'équipement illégal, il n'y a que l'arme illégale et monsieur s'est arrêté dès qu'il a entendu une sirène. Ah, waouh. C'est quoi qu'il y avait dans le dos? Une arme qui nous l'a ramené. C'est sûr qu'il avait une arme? Il avait une 6-56 dans le dos, hein. Affirmatif, c'est ce que j'ai dit, une arme qui est pour quoi, t'as le verbaliser pour. Donc vous l'embarquez pour équipement illégal. Hein. Et vous fouillez la voiture. Attendez, mais écoutez-moi. Non, il n'y a pas de. Non, mais voilà. si, y a pas de. Non, ça fait 5 minutes qu'on discute. Là, c'est bon. On peut pas discuter avec vous. On vous amène, on discutera là-bas. Discuter, voilà. Monsieur, vous pouvez. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vers le BM. Alors, apparemment, vous aviez une arme illégale sur vous. Affirmatif. Bon, est-ce que vous auriez l'obligation de nous ouvrir le véhicule afin qu'on puisse regarder à l'intérieur? Bien sûr. Ben voilà. Ok, voilà. Ben, la 650 et le couteau, parfait. Donc, monsieur, vous êtes porteur d'une arme illégale sur vous, d'accord? Donc, vous êtes en état d'arrestation. Donc, mes collègues vont vous transférer. C'est que j'ai essayé de vous la ramener et je vais croiser. Enfin, j'ai croisé ce monsieur. Avec là, dans et le je dos. Pense que c'est... Dans le dos. Allez, c'est parti, vous traitez les gars, vous notifiez les droits, faites ce que vous avez à faire. Allez, mettez-vous face au BM, ne bougez pas. Allez, ne bougez plus. Puis la prochaine fois. Lui, il a des problèmes. Oui, oui, oui. Mais quand c'est comme ça, bah, au pire, vous la donnez aux rebelles. Vous avez pris nos collègues pour. Allez, hop, c'est parti. Faites attention, les gars, n'oubliez pas que vous avez menotté, hein.
Waouh. Alors, on va lui laisser un peu d'avance. Quoi? Je l'ai vu rien faire. Hein. Ouais, j'ai rien vu. Hein. Moi aussi. Hein. Et les flics et tout, ils font quoi? Je sais pas. T'as la BA. Ouais, on a quand même arrêté pas mal de prox. Ah, j'ai des infos sur Luis Lopez. Non. Faites gaffe, ils vont chercher des chargeurs. À mon avis, je viens d'entendre une communication. Ils vont essayer de libérer leurs copains et chercher des chargeurs. Alors faites gaffe, sécurité maximum autour de la BA. Allez, écarte-toi de la BA, nous on va les prendre dans le bac. Reçu. Est-ce que c'est reçu? Ouais, tout le monde en prendra, c'est planté parce que c'est raider. Mets-toi sur la tour, sur une colline. Alors de Cyralide, moi je me mets sur une colline assez loin de la BA pour prendre les bacs. Celle de gauche ou celle de droite? Déjà pas tout droit. Oh, tu l'attaques, hein. Tu l'attaques totalement. Ah bon? Ah ouais, tu l'attaques. Pour moi, je le vois pas tech. Si. Du coup, pas trop, on a un visuel sur le véhicule bleu qui se dirige sur l'armurerie Telos. Peut-être. Affirmatif, c'est confirmé, c'est la voiture de sport bleu. Reçu. Vas-y, Goli. Ah ouais, Lille, elle a des problèmes, mon pote, mais c'est incroyable. On va aller se mettre sur une colline sympa parce que là, il est déjà occupé celle-ci. Une petite colline sympa. Ou sinon dans les maisons de D, tu veux pas? T'as bug. Dans une maison, ça te dit? Ok. Allo? Et oui. Ouais, bah je sais pas du coup. DD, ça bug, hein. Bon bah ça bug vachement quand même, hein. Parce que là je suis coma, je sais pas pourquoi. Allez se mettre dans une maison. Ça peut être sympa, je pense. Je suis un peu coma là quand même. Une maison dans le gravier qui donne la vie. J'ai pas capté. Sur la BA, ça peut être pas mal. Il y a des soucis là, tout ça. D, t'es là? M'entends pas, je suis coma, c'est normal. Encore là, D. D. Ok, il est bien. Oh. Attends. Quoi, B? Je crois que Dédé il est commun. What the fuck? Bien. Dédé il est. Il y a Dédé commun? Attends, what the fuck? Il est blessé. Comment il est tombé commun? Comment il est tombé commun? Il a rien. Oh, il y a la sécurité. What the fuck? Bonsoir, messieurs, on est la sécurité sous ville. Et pas sur l'âge. On vient sauver messieurs. Votre collègue. Ouf, j'ai gros soucis là. Merguez, tu vas nous suivre de partout, comment ça se passe? Oui. Ah bah alors, monsieur, il est en stage avec nous pendant une semaine et demie. Hein. J'ai un peu monsieur plus. Fellow, allez-vous bien? Une quoi? Non, tu dis rien, Merguez, tu te tais. Ah, je j'ai rien dit. Attends, 90. Ah si, morphine des cibles. Je parlais de la chaise là-bas. Excellent. Elle a c'est une marque qui s'appelle Spring. Regardez. Toi, il a mis Spring sur le côté là. Quel con. Il a failli se griller tout seul. C'est du cher. 3, 2, 1, ça choque. Oh, la vache, merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous sentez? Bah, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Je vais vous demander. Hop, attendez deux petites minutes. Vous pouvez prendre une Red Bull s'il vous plaît. Bien sûr. Et puis c'est excellent. Ouïouïouïouïouï. Doucement avec la barrière. Ne vous inquiétez pas, Dieu. Je suis professionnel, monsieur. Oui, bien bah sûr. Oui, bien sûr. Hop, le pouce est bon. Oh, une voiture gratuite. L'attention, c'est bon. Et bah écoutez, monsieur, si vous avez pas de douleur, vous pouvez vous relever tranquillement. Merguez, tu sors de là. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Monsieur, vous avez des vertiges, envie de vomir ou une douleur en particulier? Triste vie. Bah, j'ai des mon estomac qui fait des petits papillons à chaque fois que je vous regarde. Oh, c'est mignon. Mignon, ça, non? C'est beau. Pardon, ton mariage est annulé, donc tu peux peut-être aller partir avec le monsieur ici. Pas que ça remet combien. Ouais, c'est niveau, ouais. Cobra Lead pour CP Lead. Bon, bah, allez, merci. Merci. Merci, les anges, à bientôt. Je suis où, là? Oh, je suis où?
Cobra Force pour CPA lead. Ah, c'est quoi là? Aidé, j'ai une question existentielle. Comment t'es tombé Cobra? Non, elle est tombée, c'est un B. C'est. Oh, par contre, j'ai. Cobra Force pour Sierra lead. Transmet. De Cobra Force, on a un hélicoptère, donc Hummingbird qui s'est posé au terminal avec des packs sur le banc. Tu pouvais aller checker. C'est bien fait, on va aller voir ça. Ah, tu montes ou tu montes pas toi? Conducteur. Monte en conducteur. Monte conducteur. Ah ouais, mais pour moi, je crois que là, je crois que c'est le décès prématuré. Bon. Vous m'entendez encore? Ouais. Ah bah c'est bon, t'es dedans. Hein? T'es sûr? Ouais. Avance, parce que bon, bah si tu dis que je suis dedans, parce que moi là je suis encore en plein milieu de gravier. Attends, toujours? Non, non, mais là, laissez tomber, j'ai. Pouf. Vérifiez dans le. Qu'il aille voir Marty. Ah mais là c'est le bordel. C'est quoi là? C'est sur lui. Sérieux. Tac ou quoi là? Hein? Bah tac ou un truc comme ça. Clairement. Non mais vraiment. Non mais y'en a mort. Non ils ont que des cartes. Elle veut partir, elle veut partir. C'est un contrat. C'est un contrat. Ah oui non c'est vraiment pas Les flics. Wesh les flics. 200 000 et vous avez rien à faire. C'est les flics, ça. On vous explique. Ah, tapis. Sur Rallye 2 Unités, on est sur les mêmes individus avec les schémas blancs qui veulent voler des hommes. Avec des cars dans le dos, donc full légal. N'oubliez pas qu'il y a une plainte du général de la sécurité civile qui a été violentée, menottée et menacée avec des armes légales. Putain, un disque est tombé commun. Qui ça? Dis qui est tombé coma. Ouais, coma dans la voiture. Oh là là. Le doc. Qu'est-ce que c'est? Il veut pas sortir. Bonjour monsieur. Il veut pas sortir. Là va tenter si jamais on va le réanimer. Comment il est sorti? Ah, oula. Ah bah. Ouais. Et il est sorti où? Ah, il est là. Ah oula, il a la tête dans les chaussons là. Et je vais se faire un check-up vite fait. J'ai toujours pas été chercher mes bandages, putain, j'ai plus de bandes compressives. Hop, il y a plus de saignement. Au niveau du pouls, il y en a un. Il a pas de pouls. Bonjour, je peux vous aider? Pas de pouls, tension de combien? Bonjour. Attention, il y a un petit souci là, je peux pas la voir, ouais, je retente. Ouais, c'est bon, 86. Ok, tu morphines, je défibre. Yes. Ah, il est que t'as morphine. Hop, morphine en cours. Hop, morphine placée. Parfait, je défibre. De toute façon, ça va choquer, écartez-vous. Attends, ah, papy? Oui, c'est ça, c'est papy. Bah, c'est Alexandre. Ok, on va faire une relance. Attends. La morphine, tu l'as bien mise sur lui? Ouais. J'ai mis dans le bras droit. Ok. Je vois. Pas qu'il y a des petits problèmes. Ah ouais, le monsieur a des petits problèmes, ouais. Il s'est trompé que la morphine actuellement. Petit tour en civil. Je profite un petit peu, ouais. Je prends un petit peu de quartier libre. Ok. Eh ben. Qu'est-ce que tu fais de tout? Ouais, le monsieur, ah, là, monsieur a un cœur feignant. Ah, c'est bizarre. Rebonjour, monsieur. Rebonjour, ouais, pour le coup. Yankee, tu vas aller voir Martine via un de speed? Je vais aller voir Martine parce que là, c'est irréel tout ce que je vois. Martine la barman, oh, elle est sympa, ah, Martine la barman. Vous allez partir là du coup ou vous voulez qu'on... Oh, bah, si vous pouvez finir de me stabiliser, comme ça je suis... Une stab... Ouais, j'en ai une. J'en prends une. Hop. Bon, ça va au niveau des vertiges, envie de vomir... À poil, grand chien, ça va. Alors, je vous avoue que... Pour moi, vous êtes... accroupi dans le véhicule à la place conducteur avec une lampe de poche. Oulala, heureusement qu'on a respecté. Un collègue dans la RS6, il passe par le pare-brise. Je crois que il faudra aller voir de plus ample investigation. Allez voir Martin, comme vous dites. Ouais. Parce que là, vous mettez du temps à gérer les médicaments, monsieur. Là. Ouais, on n'arrive même pas à vous faire vous mettre les morphines tout ça. Donc,
Ouais, bah allez, va voir Martine et tu passeras le bonjour de ma part, ok? J'ai pas compris. Sur ce, messieurs, on vous laisse, bonne journée. Bon, merci. Tu vas voir Martine et tu lui passes le bonjour de notre part. Ah oui, bah pas de problème. Ça va, tu vas bien? Regardez un hélicoptère là-bas au fond. je me suis pris un peu de quartier libre. Qu'est-ce qu'on fait, on attend BA ou quoi? Ouais. Bordel, hein. Yop, yop, Steve, ça va quoi? T'es au taf? Ouais. Ah, ça, c'est un peu le bordel. Moi, ça va, j'ai pas tant de problèmes que ça là pour le moment. Ah, oh, oui. Pourtant, j'ai une machine de guerre, mais en termes de quoi, j'ai pas grand chose. Et j'ai quoi? J'ai 1000. 1000 quoi? Mégas. Hein? 1000 mégas. De quoi? De quoi? Ah ouais? De grand chose. Ah, je t'assure qu'avec tout ce qu'il y a sur Mako, c'est compliqué. J'ai l'équivalent d'une entreprise sur Mako. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Putain. Après, ils sont revenus, j'avais ma voiture cassée, puis en fait, ils voulaient me tatane. Du coup, je suis resté dans ma voiture, puis du coup, bah, ils ont pas pu me tatane. D'accord, non. C'est reçu, bon, on va aller faire un petit tour dans l'Est. Mais bon, non, mais sinon, vous inquiétez pas, moi je vais la retrouver moi-même, puis voilà. Et content de les trouver, les flics, là? Ah, je suis content de les trouver, mais... Ouais, quand ça t'arrange, en fait. Ah voilà, vous avez tout compris, monsieur. Ouais, ouais. T'inquiète pas, j'étais à l'œil, toi. Ah, monsieur, du coup, mais à l'œil, ça, ouais, j'étais à l'œil, ouais, même plus que ça. Ouais. Non, mais mort de rire, ça, c'est la blague du siècle, ça. Quand on passe à côté de lui, il dit, ah, ça, c'est les flics, et après, il les appelle en pleurant. C'est ça. Oh, dingue. Ça te dérange si je vais faire un petit tour à la BF ou que j'aille chercher des... Oh, vas-y, vas-y. J'ai plus de morphine et j'ai plus de bande. Non, mais un gros souci. Gros souci de co, là, je sais pas ce qui se passe, là. C'est chiant. Oh là, le portail, il s'ouvre même pas. J'ai pas les clés de ce VL. C'est vraiment. Quoi, moi ou Oui, il se passe quoi là? C'est bloqué, le papa dans 9 mois, elle est bloquée. Yo, Starfield là. Il est là-bas. C'est moderne. Tu fais quoi, Jason? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai pas appelé. Si, tu m'as appelé. Tu m'as envoyé un message. Ah, oui, ça a été réglé. Ah, bon. Ça a été réglé. Monsieur, mon petit Jokinou. Mon petit Jokinou, allez, viens, on décolle. Mec, allez, mon petit Jokinou, on décolle, on va raconter des petites histoires en l'air. Bien aussi. Ah, ouais, bien aussi. Et aujourd'hui aussi. Et peut-être demain aussi. Mon dieu! Phil, t'es beau? Je sais. Ou pas? Je t'attrape. Ouais. Refus de tempérer. Et voilà. Et la chance, vous avez pas d'outrage. D'accord, je conduisais pas la voiture. Et alors, vous avez pas que votre collègue? Bon, quoi là? Pardon? Ouvre-moi la porte. Ouvrez-moi la porte. T'entends la même chose que moi?
Quoi? Ah mais lui il est un peu... Je dois aller voir quelqu'un, monsieur. Je suis enlevé. Je suis monsieur Karim Mezaoui. Merci monsieur. Mataka. C'est un mec combien de relâchés qui est là pour nous casser la tête apparemment. Non, je vais avoir mon pote dans la cage là-bas là. Tu veux y retourner dans la cage? Pas de soucis, hein, je te remets. Non mais je veux pour voir mon pote. Ouais, bon, on va t'y emmener à la cage. Tu vas y rester dans la cage. Oh, c'est un speed dating ici. Non mais c'est bon, si j'ai pas le droit d'aller le voir, j'ai pas le droit. Tu sais très bien, on est pas dans un moulin ici. Je sais pas, j'ai cru qu'on pouvait faire des visites comme au parlu. Ah mais t'as cru qu'on était dans une maison de retraite et t'allais voir ta mémé? Non. Allez, on bouge. Dans un commissariat. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Et il est en plein milieu, normal, tout va bien. Oh! Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Cocaïne. Il a pas assez d'argent ou il a refusé? Il est mort de voler des armes. Attends, on a. Bah, y'a Yankee qui revient, qui est en train d'arriver. Oh putain, faites chier les mecs, vous êtes mous là. C'est lui avec ses problèmes d'œil. Jeff, il a pris fin de service. Ah non, ils sont à 3 dans un VL. Franchement, faudra dire à Jeff que c'est n'importe quoi. Comment ça me saoule lui? Arrêtez monsieur Guantanamo. Les amis. Je vais aller le taper je crois. Faut aller sur soi. Oh collègue. Il a qu'on va faire la cocaïna. Allez au revoir. Allez faire la cocaïne, messieurs, allez, salut. Cocaïne, marijuana. C'est pas là, c'est pas là. Ok, vas-y, je vais faire une chez Mag. Chez Mag. On a chez Mag. Bon, allez, on se casse ou quoi là? Parce que c'est long là. On attend, Yankee. Tu sais pas ce qu'il branle. Je sais pas si bon, pas grand chose en fait. On va y aller, on va y aller. Oh, ouais, casse-toi aussi, toi, t'es viré. Allez, on y va. Ah bah. Allez, 2-2, on se casse. La voiture, elle est cassée. Hein. C'est quoi? Ouais, mais y'a pas de t-shirt. Devine Berlin pour Cobra Lead. Cobra Lead, écoute. Donc, Devine Berlin, on a récupéré une unité supplémentaire. On va se détacher de vous pour le reste de la soirée. C'est reçu de Cobra Lead. C'est le canal 6. Ils branlent quoi les mecs là? Mais je sais pas. Ciao mon chien. Non, c'est pas la bac alors. Vous dégagez, allez. Allez, sinon je t'arrête pour faire de la cocaïna là. Allez. Et la marijuana. Allez hop hop. Allez là-bas, allez hop, on dégage. Allez, de Medellin. Allez, dégage. Allez, cours. Collègue, viens, collègue. Allez, je suis. On va y dire, collègue. Au collègue, on va faire la cocaïne. Ciao, mon CV. Mais c'est incroyable. Peut-être qu'il y en a 6. Et nous, les méchants. Ouais. Ah, mais tu te fous de ma gueule ouvertement, comment ça se passe? Allô? Tira? La fille, on répare, vous nous avez rentré. Mais bon. Bah, on n'est pas à côté de vous en fait. Oui, oui, mais tout à l'heure. Ah, sur quel canal? Rapproche-toi d'eux. Ah, ouais, c'est bon, on démarre. Ouais, baby driver. Ouais. Alors, partout, mais ça, c'est la vague, ça. Waouh!
Arouf gang, Satakate, le million chacal, le Montico et tout ce qu'il y a dedans. Arouf aussi. Bon, je vais. Putain! De Cobra Lead pour CPA Lead. Putain, vous avez pas d'autre chose à branler là sur les collègues? Franchement, vous êtes chiants les mecs. Michu. C'est Arouf partout. Bon, vous avez 5 minutes pour bouger de la BR. J'attends juste mon pote. Non, même pas 5 minutes, il bouge tout de suite. Non, en vrai, on bouge, mais juste j'attends mon pote. Ouais, ton pote il est pas bien là. Appelle la sécurité civile, prends ton téléphone, appelle les secours, va sauver ton pote là. Parce que pour quelqu'un qui a son pote blessé, t'as pas l'air très paniqué quoi. Parce que je crois en Arouf Gangsta qui va le soigner. Arouf ta bouche. Oui. Oh putain. Vous connaissez Arouf? Ouais, je connais Arouf. J'en ai mangé un hier ce matin. Arouf t'as juste dégagé. Y'a pas de poux? Arouf Gangsta t'as capté. Arouf, tu appelles la. Allez, RCPLO là. J'ai pas de téléphone. RCP parce que pote, j'ai le monde Chico. Alors RCP ton pote, RCP ton ah, okay, pote, okay. Et nous on va s'occuper de la paix, je les appelle. C'est incroyable ça. Ils vont me détester. J'ai même pas de bandage poteau. RCP on t'a dit en fait, t'as pas dit. Force, RCP. RCP, tu vois, sur le thorax, tu fais des massages cardiaques en fait. Ouais, je sais, monsieur. Ouais, c'est moi, Ça va gros, t'es en train d'assommer des pigeons? Ah, on fout de mais non, en vrai, pour de vrai, il faut que je barre. Salut Tuche, ça va ou quoi? Ça va. T'avais l'air d'être cool, tu veux parler, mec? Merci mon petit Steveur, 50 bits, 50 Bertz, 50 Bertz. Pour tous, nous avons deux Indiens en hélicoptère équipés illégales qui font le tour des mines d'or, de diamants et de pétrole pour menacer de mort toute personne qui ferait de ses ressources. Oh, a pété? C'est reçu de Cobra Lead, on va aller faire un tour. Ouais, j'ai pas reçu moi. C'est ton supérieur? Elle est là la police hein. Ah, je vois rien. Tu me dis que tu veux mourir, tu vas compter une arme de poing bouclier face à moi. Tu fermes les yeux, tu dis Arouf très fort, tu repars. Arouf! J'allais partir, t'as un couteau ou quoi? C'est pour mon concert en fait. Monsieur, restez allongé s'il vous plaît. Ah oui, il doit pas voir. Ah, je vois rien. C'est quoi ce message? Moi j'en sais rien ce message. On a une farée, coupe bien à côté de la bière. Bon, allez, gaz, on se casse. Moi je me casse de là parce que je vois rien du tout. Quelque chose, des âmes. Ah, ils savent pas conduire eux. L'attention est bonne aussi, on peut sortir de la zone, monsieur. Normalement, votre vie n'est plus en danger. Ah, faites-moi des signes, faites-moi des signes. Lequel message? Votre voix, s'il vous plaît. Venez par ici, droit devant. Vous avez une belle voix. Vous avancez tout droit et normalement, ça devrait aller. Ah, c'est bon. Madame. C'est un plaisir que mon collègue soit soigné par vous. Ah, je vous remercie, madame. C'est pas un petit message. J'allais partir, ils m'ont écrasé. Attends, comment tu sais qu'il s'appelle. Comment tu connais son nom de famille à lui? Ah, bon, tu connais mon nom, toi? Bah parce que, écoute, on m'a dit dans la voiture, ce monsieur-là et ce monsieur-là est tombé. Et comment? Donc, le seul comment qui était par terre, mais voilà. Comment tu sais comment je m'appelle? Bah à côté des messages de balise. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand t'es tombé coma et que t'as activé ta balise pour les médecins, y'a ton nom qui est apparu chez les médecins. Ah oui, mais les médecins, je m'en fous. Il ouvre sa gueule, que, voilà. Que les médecins, ils ont dit à lui comment tu t'appelais. Ah ouais? Mais je vais te crever en fait. Mais wesh. Bah ouais, je vais te crever en fait. Mais moi tu sais bien, hein. Je garde tous mes secrets pour moi. Ah, j'ai tellement de secrets à dire. Si tu fermes pas ta bouche, ton casino je le ferme et je te le fous par derrière. Non, c'est pour ça que je ferme ma bouche. Voilà, c'est mieux. Bon allez, à plus tard. Bon allez, gaz. Ça va, mon sauveur? Alors, c'est quoi le tour en ongle là? Le canal 6. Oh putain, j'ai bien bouffé. En fait, je suis pas du tout sur le bon canal 6 en fait depuis tout à l'heure. Non, mais en fait, c'est toi qui fais de la merde. Hein. Essaye. Ah, attends, test. Oui. C'est quoi le message là de tout ce qui fait cette ressource, seront je sais pas quoi? Test. Attends, vas-y. Bah, reçu le message aussi. Bah, je sais pas, j'ai rien eu moi. Moi non plus. Pas de que tu
parle DBR. Bah les autres sont partis vers dans l'est en disant qu'il y a eu un message de que quelqu'un qui menaçait toute personne qui faisait de l'or, de le, du pétrole. C'est les pandas. Mais là, il est au RS, RS noir et rouge, c'est les acheteurs d'âmes. Acheteurs d'âmes. Ouais, ils ont pris en otage le général de la sécurité civile, l'ont menotté, l'ont frappé, l'ont tiré en l'air avec leurs armes. Ils lui ont demandé de donner son arme, son âme. Donc ah, mais... ils sont recherchés, mais on peut rien faire contre eux. Ah mais Dédé, on les a déjà chopés hier, c'était réfugié avec l'OPJ, enfin avant-hier, pardon. Et ah, ça y est, l'OPJ, il les a traités. Hein. Ah, il les a traités. Oui. Et bon, là, pour le moment, l'OPJ, il est en visa permanent. Ah ouais. Ok, je vois. C'est vrai pour les unités infos sur le l'inter en cours, là. Je réitère, c'est rallye pour les unités, info sur l'inter en cours. De Viper Line, on n'est pas en inter. De Cobra Line, on a des camions et on a L4 armé au-dessus de nous. De CPA, on est avec vous au-dessus là. Passage canal 1 pour les unités. Oh, il se passe quoi là ? Viper Line, on arrive. De CPA, on vient vous appuyer. De CPA, sur canal 1. Oh bah, passage canal 1 du coup. Alors, sur passage canal 1, on a plus Cobra. On a trop. Il y a 3 camions, 3 cigares, ainsi que 2 véhicules et 1 hélicoptère. Ah, puis l'hélicoptère, on l'a vu, ça fait un moment. Alors, on a vu au niveau de la FCO, on l'a suivi. Ça a eu de délai, ouais. Cobra 3, on est spot dans le bâtiment en construction. De Cobra 3, donc vous avez une A45 qui se dirige vers Paros avec un pack à l'intérieur. Un effet d'optique, un effet d'optique, on cache pas. Putain. Pour moi, l'effet d'optique, il était vachement. Pas toujours. Il est un peu réel, l'effet d'optique. Hein. Et elle monte. Bon, il se passe quoi alors? On a des camions avec un L4 armé au-dessus avec des VL. Et donc, du coup? Le Delta, on vous suit au-dessus sur le véhicule beige. A new follower. Salut Naken, merci de ton follow et bienvenue. Le combattant pour tous les cobras. Ok, à tous, il y a un insigne sur l'hélicoptère, je le veux en photo. Ok, bah ça partait. Pour info, la Ford Focus avec le ML. Merci Michael, bienvenue à toi. Merci de ton follow. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour une notification et la mise en ligne des vidéos. Oui. Alors attends. Si d'ailleurs. Je suis pas prêt là. Allez, fonce. Donc de couvrir l'île, les camions sont remplis de tabac. C'est bien pris, est-ce qu'on a une des prioritaires? Est-ce qu'on a une agressivité? Négatif, le bonhomme sur place est coopératif, un des deux camions est à lui. C'est bien pris. Pour Viper, il y a une Ford Focus qui arrive sur vous, c'est avec les mecs aussi. On va aller se mettre bien. Il y a une petite montagne là-bas là. Négociation ouverte ou pas? Le monsieur est coopératif au niveau du cigare. Parfait. Info sur le ML blanc beige. Aucune info, il suivait juste la Ford Focus. Vous chauffez. L'L4 est avec ou pas? Putain, l'L4 il est avec. Donc de Cobra Lead, j'aurais besoin d'une unité sur le cigare pour reprendre un camion s'il vous plaît. De Sierra pour les unités qui sont sur le camion, il y a combien de camions et combien de bonhommes? Pour votre, il me semble qu'il y a un seul bonhomme et deux camions. Et ils conduisaient les deux en même temps? Ah ouais. Aucune idée. Ah. Ça veut dire que qu'on en a un pute, hein. Ouais. Vous avez clean les maisons sur le autour? C'est peut-être qu'on pourrait avoir un check thermique de la zone? Pas que ce soit la poursuite d'un L4. Négatif pour la demande de check thermique. Ok, c'est bien pris. Les unités présentes, on fouille les alentours. Quelque part, toi, là.
Vous sentez bien les fougères? Vous les sentez les fougères? Quand nous sommes arrivés, il y a une RS7 grise qui a pris la fuite et une A45. Donc peut-être du suspect avec. Oh, celui, il a le 4 avec les tireurs, c'est quoi? Le mec dans la 45 noir, il était en sable, donc même tenue que l'L4, donc il était ensemble, de supposé braqueur. Ok, donc l'L4, on en fait quoi? À vous de décider. Bah, vous avez appelé CPA? CPA pour CPA. Transmettez. Info sur l'L4 et la poursuite? Bah, il nous a fait monter à 1,5 km et là, il est en train de redescendre à l'envers, vers le sol. Ah. C'est bien pris une fois que votre poursuite sera terminée, ouais. À la recherche d'une RS7 grise et d'une A45. Couleur de la A45? Or. Quelle couleur? Or. Noir. Or? Noir. Ah, noir. Et c'est bien pris du coup véhicule recherché RS7 blanc, grise à A45 noir. Le N4 se dirige vers la tire. Il va forcément rejoindre le 4-4 un jour. Je suis très long, ouais. C'est normal, il a pris une grosse vitesse. C'est normal, il a pris une grosse vitesse, il va la perdre. Il y avait que un poteau, hein. Tu pouvais faire. Il y a un poteau, mais ça ne tombe pas. Je me suis dit. Ah ouais, j'ai pas eu le message, c'est énorme. Le commandant, les gars, il engage 50 bits quand même. 50 bits? C'est beaucoup, hein. Des grandes, des petites. Ça fait beaucoup pour une personne. Hein. Ça fait beaucoup pour Stivers. Monsieur Stivers, commandant. Et il a apprécié pas mal de galons en peu de temps, Stivers. Hein. Putain. Ouais, la bite, elle m'a fait mal. Hein. Ah bah ça. Cette phrase était très bizarre. Je suis un peu placement. Ça aurait calme, hein? Ouais, y'a pas grand chose à faire. Ouais, calme, ça fait calme, quand même, hein? Par contre, cet après-midi, c'était pas calme, hein? Putain, le nombre de gunfights qu'on a eu. Ah ouais? Ah ouais. Entre cet après-midi et avant-hier, après-midi. Ce qui est bien, c'est qu'il est plutôt chargé, hein. Finalement. Il peut pas la garder longtemps sa vitesse, il l'a eu quand il a fait une grande chute, mais il peut pas la garder longtemps. Ouais, mais même de base c'est plus rapide qu'un Hummingbird, un L4, on le rattrape bien. Ouais, d'ailleurs il est pas très bon pilote. Ce que je voulais dire, moi, une connerie. T'es en train de dire que je suis meilleur pilote que quelqu'un là, c'est chaud quand même. Ah, je sais plus. Non, mais avant le petit gunfight. Bien allé, moi j'en ai couché deux tirs. Hey Yankee, tu te souviens avant-hier après-midi là, le nombre de guns on a fait quand on a fait 5 gunfights d'affilée? Ouais. Les gars. Ah, mais je te dis, c'était. Ah, je sais pas s'ils ont, c'est des rebelles, mais il n'y a plus vraiment de négociations. Okay. Ah, mais c'est dommage, mais. Calme ce soir. Hmm? Tout calme ce soir. Ouais. Où sont les gens? Il y a un tempeste qui arrive. Pour un 18. Normal. Aïe aïe aïe. Un petit camion de drogue là pour nous.
Je vais remonter direction de DP11. Toujours des camions sympas. Ça croise... Si on croise un camion, il fait un contrôle rebelle. Un contrôle rebelle. En mode on demande qu'il a sur lui, etc. Ah, vous faites des contrôles rebelles? Ah mais non, non, un contrôle comme les rebelles. Ah. Je sais pas, j'ai jamais été rebelle. Ah non mais tu sais, on sait très bien comment les rebelles ils fonctionnent. Ah non, je sais pas. Dis, il roule, il croise un véhicule, il l'arrête. Il demande que, il demande ce qu'ils ont sur eux, et voilà. Ah. Sans même fouiller, hein, il demande juste. Le mec il nous dit on a de la mettre. De Cobra lead pour CPL lead, on a l'L4 au-dessus de nous. Ouais. Affirme, tu es. Vous voyez, je suis désolé, je n'ai pas. Du coup, attends, mais Sierra, les autres Sierra ils sont où? Ils sont sur le camion? Non. Ils sont à Dorida, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont. On va aller sur. Bah, allez, direction. CPA lead pour Colonel Dédé. On se met? C'est un carré blanc, son insigne. Un carré blanc? Ah, ouais, blanc comme neige. Tu pourrais nous faire un petit photo? Enfin voilà, uniforme. Y a pas d'insigne dessus, c'est juste un carré. Ah, moi j'ai vu un insigne type bouclier avec un homme au costume dedans. Ah, c'est peut-être qu'on est pas assez près. On voit comme ça. Quand tu seras assez près et que tu distingueras quelque chose, tu pourras nous faire une petite photo s'il te plaît? Ah, de toute façon, j'ai la GoPro, je pourrais essayer d'être plus exploitable, mais pour l'instant. Mon petit veuf vient regarder aux jumelles de près, il a dit que c'était complètement blanc, et moi aussi je le vois blanc. Les unités avec les camions, c'est normal qu'il y ait une focus nord qui vous suive? À mon avis, non. Oh. Ah bah, à mon avis, non, pas trop, c'est pas normal. Bah allez, bah allez chercher, demi-tour. À mon avis, ça... Tu peux me dire c'est quoi comme unité? Par contre, au bout d'un moment, on va devoir se rendre à la poursuite, hein, parce que si on engage l'un contre lui, ça sert à rien ce qu'on fait, quoi. Justement, il va avoir un message Altis TV pour lui demander de se poser. Bah, dans ce cas, demande en tant que CPA lead, mais personne ne le fera, quoi. C'est ce que j'ai fait, sauf que personne ne veut le faire. C'est surtout qu'on peut pas, en tant que policier, mettre des messages à Altis Live TV. On peut faire des annonces gouvernementales, ça a déjà été fait, notamment au niveau de la prison. Alors, j'ai jamais été mis au courant, d'accord. On va le faire. Ah, c'est bien pris, merci. C'est quoi, c'est 50 000 Follet pour le colonel Dédé. Transmettre. Il y a mon gunner qui a un truc exploitable au niveau de sa GoPro pour l'insigne. Super, merci beaucoup. Si c'est 50 000 pour nous aussi, si. On va lui faire des sommats par Altis gouvernemental. On va lui demander de se poser. S'il ne s'oppose pas, dans 30 secondes, il sera. Enfin, dans la minute, il sera abattu. Reçu ? Ah, c'est vrai. Oh putain ! Elle est en train de nous ramener à 1,5 km d'altitude. Ah, tout le monde ? Tout le monde va bien ? Ouais. Bon, on a eu un accident. Ah, ouais, c'est bon. Ça pue un peu la merde. Quoi? Qu'est-ce qui pue un peu la merde? Parce que RS6 grise, on cherchait avant, et puis ML blanc, on cherchait avant aussi. Pour? Ah, c'était pas. En tout cas, la RS7 grise, je veux dire, c'était sur l'acheteur de cigares. Donc c'est peut-être les packs couleur sable. Salut Omega. Bonjour monsieur. Bon, le Gugu, comment ça va? Vous qui vous avez appelé? Ah non, pas du tout. Non, c'est le monsieur qui est là-bas peut-être. Alors, je suis désolé. Merci. Salut Gugu, comment ça va? Dédé, t'as toujours un aimé sur ton arme, j'ai remarqué. Il descend. Y'a rien de mieux qu'un arme. L'AMS, il est vraiment cool. Ouais, y'a pas besoin d'aller à Altis, c'est bon, il descend. Ça va être son grand jeu de la soirée, enfin. Tu vois, ben, où il irait, je... Vous confirmez qu'il est en train de se poser ou qu'il est juste qu'il est pas? Du tout.
Négatif, il s'amuse à nous monter à 1,8 km et redescendre à l'envers. C'est bien pris, on fait un petit TV du coup. Allez, c'est parti. Je mets quoi? Tu me dis que c'est ce que je dis? Ouais, vas-y. Vas-y, dis-moi. Hélicoptère L4. Hélicoptère. Ici, la police. L4. Si vous posez pas dans la minute, vous serez abattu. Il descend au niveau de tour solaire, tour solaire. Voilà. Il est où là? Ah, le sud, là, du vers sud, sud, sud. Ah, oui. Sud, vers le pont de la... C'est PA, le message est posté. C'est bien, je pense que c'est PA, message passé. Bien pris. Ah, on a vu, on a bien joué. Il est au niveau des tours, le gars. Pour Drago. Bien pris. Visuel dessus, ton bijoutier. Non, le cas, le cas. Moi, il va vers Agios. Il va arriver au niveau d'Agios. Je vais m'engager là au cas où. Ça fait une minute. Vous pouvez m'engager, c'est bien. C'est rapporté bien, vous pouvez engager le combat. Ok. Oui, Dédé. Oh, ouais, nickel là, du cul. Hein? Alors on a eu une action avec les scorpions. Ouais. On a eu des échos ou pas? Non. On a sur l'action on perd Attends. On nous abat, faudrait quoi? On aurait déjà nous. Voir. Du coup, sur l'action on perd le lieutenant Diablo. Ouais. Et donc on avait menotté et embarqué dans nos VL deux de leurs collègues, ils se sont pas amusés à rafale le VL dans lequel ils étaient. Ouais. Du coup, ils m'ont mis coma, je me suis réveillé et Jeff a donné l'ordre d'abattre leurs collègues, hein, tout simplement, parce que... Ouais. Donc j'ai abattu. Les mecs, ils ont été se plaindre parce que j'ai abattu. Ah bon? Jure. Parce que parce qu'apparemment c'est une incohérence RP d'avoir abattu. Alors qu'on leur avait bien sommé de que s'ils ont. Je disais, vu que t'es un hummingbird et que t'es plus maniable, leur, bouffe dans les virages. Mon collègue était mort quoi. Ouais, si, sauf que là je suis au. Pour ça, on s'éloigne, y'a pas beaucoup d'unités derrière nous. S'éloigne ? Ah, on s'éloigne, là on va vers le 4, mais. Ah, on va pas rester vers le 4. On va aller du côté de DP11. Ah, tu veux pas attendre Syrah 2 peut-être? Ah, pire. Enfin, ou Syrah Lead, enfin, l'autre Syrah. Syrah 2 pour Syrah. On se dirige au niveau de dépense. Il est toujours en vacances, le début. On se dirige au niveau de dépense que vous nous rejoignez ou pas? Affirmatif de Syrah. Ouais. Bon, vous êtes au niveau de la station service terminale. Ouais, et du coup les mecs, bah en fait ils ont fait une grosse action en cow-boy en fait, parce qu'on avait deux de leurs collègues, ils étaient quatre en vie, on était encore une dizaine. Mmh. Donc celui qui a rafale le véhicule, il s'est pris à Verto 2 par faire 20 F. Ouais, normal, j'avais pas rafale. Et le mec il s'est plaint que moi j'ai pas... Passage canal 6 pour Isra. Ça c'est le canal 6. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça ou pas? Non, rien, je vais lui dire. Attends.
coffre ouvert. 214 km/h, allez, on le chope. 214 km/h, on le chope. Dis-moi, Dédé, la perquisition sur Joseph Stallone, elle compte niveau historique ou pas? Ok, d'accord. Oui, la compterait pas. Droite. Par rapport au problème qui est. Que la droite, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est parti. Arrête-toi. Oh, hop là. On a la poursuite, on a perdu l'aéronef ennemi, qui plus est, il est vraiment trop chiant à poursuivre. Eh, sort du véhicule. Oh, c'est pas très charlé tout ça. Quoi? Sort du véhicule, main en évidence. Ah bah je me doute bien. Main en évidence sur le capot. Oh merde. Bon, t'as quoi comme drogue sur toi? Ah, aucune drogue, monsieur. T'as quoi comme, seul, comme équipement? Une bouteille de vodka. Ah bah ouais, une bouteille de vodka. Pas besoin de tes bouteilles de vodka, j'espère. Ah, c'est les keufs. C'est la police, ouais. Pourquoi non, vous voulez pas piquer ma vodka quand même, monsieur? Bah si, un peu. Ah si, je vais prendre ta vodka, heureusement. C'est cruel ça, monsieur, non. Ouvre-moi le véhicule. Ouvert. Ouvre-moi le véhicule, je te dis. Il a ouvert. Tu l'as pas ouvert. En plus, tu mens. Tu dois me baisser les mains. Ah oui, en effet, ça marche mieux. Voilà, et maintenant tu mets tes mains en évidence. Oh non, c'était mes bouteilles de vodka. Il va m'amuser comment à écouter des hard bass moi sans vodka, monsieur. On l'arrête lui aussi. Oui. Pour info, CPA de nouveau disponible. Ok, vous pouvez contrôler le véhicule Corvette noir qui est sur notre position. En fuite, off-road, tout ce qu'il veut, il tourne autour de nous. Il y a un radar en voiture. Pardon, monsieur. J'étais pas en train de boire en volant, je vous rassure pas même. Merde. Rien compris. C'est rare, vous l'avez en évidence ou quoi? On, il veut pas s'arrêter, mais bon, ça va le faire, ça va se faire, t'en fais pas. Ça va? Ça va, Nick? Je me suis endormi, j'ai eu. Aline pour Sierra, vous pouvez passer canal 1. On est canal 1. Mets-toi devant. Sierra, si vous êtes canalin, vous avez besoin d'aide. Bon, allez, tu sors de la voiture, tout de suite. Sors. Au sol. Bon. Allez. Le véhicule qui est loin là, c'est pour vous? Négatif, je sais pas qui c'est. Ok, bien pris. Je me note au cas où. Ah ouais. Bon, allez, mettez-vous sur le bord de la route, j'ai pas envie que vous fassiez. Allez, au bord. Vous ferez gaffe, le véhicule qui s'est éloigné vient de faire demi-tour. Et il y a un deuxième véhicule qui est en train de s'approcher qui a fait le aussi. Attends, merde. Il y a eux là, ils vont nous tuer là. Ouais, le véhicule qui s'est dépassé, il s'arrête là. Ah, il revient vers vous. Mais monsieur, évitez de rester sur la route, ça circule ici. On sait. Ouais, il va nous tuer. Rien à voir, ces messieurs ont simplement fait un accident et ils veulent pas signer un constat. D'accord, bah monsieur, décalez la voiture peut-être. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, on va faire ça. Ouais, ça marche. Temps. Bah bonne journée. Hein. Merci à vous aussi. Bon, messieurs. Monsieur, je vous jure, ils ont dit qu'il y avait un truc qui s'appelait un choc. C'est pour ça qu'on s'est pas arrêté quand vous avez coursé, on a cru. Monsieur. Racontez là comme. C'est passé. Restez au sol, restez au sol. Déjà. Moi aussi. Ok, à tout le monde, apparemment les personnes dans les véhicules sont habillées en chapka, avec pantalon gris. Ils arrêtent les gens, ils veulent leurs âmes absolument. Voilà. Bon, je suis de Cobra, je transmets mon lit. Voilà, donc s'ils forcent les gens, sinon ils les attachent. Je sais pas. En fait, il avait un doute, et après moi j'ai vu que c'était la BAC, j'ai dit arrête-toi. Mais sinon il y a les gens là. Il joue au policier. Vous avez des grosses armes. Mais après le mec là avec son truc blanc là autour du cou,
il veut notre arme pour nous, ou je sais pas quoi, là, pour son dieu Avam qui est en prison, ou je sais pas quoi. Sinon, j'ai la voiture de sport rayée gris noir à 324 km/h, 324 km/h, route principale direction Kavala. Ok, mais bon. Mais moi, je savais pas, moi, je m'en doutais que vous étiez soit la police, ou soit. On vous laisse de CPA, on va voir si on trouve le véhicule, s'il y a besoin d'aide. Réitérez la couleur du véhicule. Gris. Et avec des traits rouges. Bah, je sais pas. Comment vous êtes armé? Vous êtes armé pour l'intervention, vous êtes très belle. Mon avis, on n'est pas du tout de la police, sinon ça serait pas fini comme ça. Parce que la personne tout à l'heure a dit interpellé et tout, elle a mis le langage de la police. Monsieur. Sécurité civile. Non, bonne santé, monsieur. Mais par contre, faut faire un truc avec ces messieurs, monsieur. Sinon, ils vont tuer toute la ville. C'est pas le gars qui avait un délire avec un rouf? C'est pas mon. Un rouf. Évitez de aller sur la route, monsieur. J'ai bien bu. Ah ouais, mais en fait. Et ces personnes-là, ils vont être arrêtés ou pas? Ils vous ont demandé, ils vous ont attaché? Si on vendait pas notre arme, pour 100 000, ils nous abattaient. Moi, je venais juste de sortir du commissariat. Et c'est soit tu prends les 100 000 et tu prends leur un truc blanc là, tu le portes. Ils vous ont fait des menaces de mort, c'est ça? Ouais. Et c'est soit tu prends le truc blanc là, ou soit je sais pas quoi, Avak il va devenir en toi, ou et tu seras décédé, un truc comme ça. Et ils ont des longues carabines. Un truc comme vous là, un truc comme vous en vert mais en blanc. Lui il prend en blanc. Schéma blanc. Ouais, schéma. Ok. Et ils sont souvent sur l'aéroport, ils étaient en train de faire leur marché sur l'aéroport. Des longs fusils là, je crois que c'est les fusils. Et si vous le prenez pas, vous allez mourir. C'est ça. Et ils ont une caméra dans le dos. Bon, la prochaine fois vous allez vous arrêter, sinon c'est retour à Toul. Ok. Retour où? Bah, prison. Ah, oui. Ok. Pour nous, bah, allez, okay. À plus. Je vous remercie, monsieur. Allez, on se casse. Pas de problème. Allez, on se barre, là, ça. L'autre sens. Tiens, okay. C'est lui. Hop, arrêtez, allez. Hop, stop, monsieur. Bah alors, la Prost. Quoi? Bah la Prost. Pas entendu, monsieur. Bah alors, la Prost, ça va? Ah, ça va et vous? Ah bah tranquille, écoute, je suis content de te croiser, tu vois. Ah merde. Bah, de même. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mon véhicule gratuit comme ça. Bah ouais, comme ça, gratuit, ouais. Wow. Bah alors, tu fais mieux d'habitude là, 324, tu fais mieux d'habitude 324, ah non, j'ai jamais roulé à 324, moi j'étais à 90, monsieur. Ah ouais, parce que tout à l'heure, quand t'es parti vers Kavala, là-bas, sur la route, t'as 324. Je me suis dit, ah ouais, il y avait un radar, ouais. Ah ouais, et il était visible? Ah ouais, c'était moi, le radar. Moi, je l'ai pas vu. Eh bah, tant pis pour toi alors. Bon, allez. Ah bah, tant pis pour vous alors. Bah non, ça marchera pas comme ça, fiston. Ah bah si, monsieur. Ah non, moi je te le dis. Ouais, bah moi je vais te les apprendre, les doigts de l'île. Quand on est en excès de vitesse, et bah on paye. Ouais, sauf que dans les doigts de l'île, c'est bien écrit que votre véhicule doit être visible. Oui ou non? Bon allez, vous réglez ce problème là, parce que j'ai pas envie de m'énerver encore. Ouais, bah moi je vous ai pas vu. Ah, c'est bête. Ça c'est pas le mien non plus alors, monsieur. Vous êtes passé, en fait, regardez, vous êtes passé à côté de nous. Vous êtes vraiment passé à côté de nous. Ouais. Ça. Bah, c'était visible. C'était bien moi, monsieur? Vous confirmez, c'était la même plaque? Alors, si j'étais déjà à 340, comment tu peux voir ma plaque? Est-ce que tu l'as droit? Vous imaginez bien qu'on a du budget. On n'achète pas de la merde. Il y a du budget, mais on compte en banque, c'est votre budget. Les gars, arrêtez de me parler de budget. Bon, allez, hop, on monte dans la voiture, ça sert à rien parce que ça va me gaver. Allez, on monte! Bon, vous avez de la chance, prochaine fois, ça sera pire. Allez, monte. Et d'accord, que la prochaine fois on va juste Paris. Non, mais la prochaine fois ça va être différent quoi. Non, on a occupé. Par ça, il avait une chemac blanc. Qui ça? Le type là qu'on a interpellé. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit que peut-être. Ouais. C'est grave. En plus, je sais qui c'est. Le pire, c'est ça en fait.
Barça 310, la RS 7. Tu l'as la couleur de la RS 330. Pour quoi? Attends, il y a des unités devant. Grise. Ensuite. Vous avez le ML blanc qui arrive sur vous là. Allez, arrêtez-vous, monsieur, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. RS 7 rouge. Et puis leur Ferrari aussi, Ferrari sur le côté s'il vous plaît. Allez à tous, vous avez un excès de vitesse 307 km/h. Les deux véhicules en excès. Combien? Bah ils sont arrêtés sur le petit. Putain, je sors du comico, je me reprends encore des amendes. De dragon, les personnes faisaient attention à leur vitesse. On décolle pas. La 45-3, il y a un gilet par balle dedans. Bah il est monté dans sa voiture, il va partir là, on le suit. Ah mais après. C'est quoi ce truc? Il y a le ML blanc aussi là qui est suspect. Le mec il est sorti, il vous observait de loin et tout. Je sais même pas s'il est pas armé. Ça fait sans aucun doute tous les trois véhicules ensemble. Ah, Philippe, par contre là, 45 noir c'est confirmé, j'y ai par balle donc tu mets les gyros au-dessus de lui, tu forces à s'arrêter. Ah, bien pris, mais il nous faudrait l'appui d'une unité au sol s'il vous plaît pour les unités au sol à proximité. Ah, Philippe, ils vont nous rejoindre quand ils peuvent. Bah, si, le mien, c'est moi qui vous ai poursuivi. Merci mon petit train, que ça fait plaisir, oui, ben, presque. Hein. Non. Non, il est pas encore. Hein. Ça a peut-être tapé la tête, il a peut-être tué une perte. Ouais. Véhicule noir en dessous là. Véhicule, arrêtez la sirène s'il vous plaît. Hop, de CPA pour tous, actuellement dans un Vios, une Mercedes A45 noire avec un Pax gilet pare-balles à l'intérieur. Nous sommes actuellement à sa poursuite, nous aurons besoin de renforts terrestres. Bon, est-ce qu'il veut pas que je vous en prie ? On va prendre la radio longue, s'il vous plaît. Oui. Ça vient après, de suivre, on va arriver au plus vite. Bien pris, il est actuellement dans le virage en droit. Direction de fuite, c'est bien. Du coup, on a un des trois véhicules qui a des packs à 100% et ce même véhicule est escorté par deux autres véhicules, mais on ne sait pas s'il y a de l'armement dedans ou pas. Cobra libre pour centrale médicale. Il est par balle. Ah, je l'ai trouvé. Transmet pour doc. On a besoin de médecin à la BA, on a un collègue qui est tombé coma. Merci. J'ai tout trouvé. Vous trouvez tout? Vous dire où je l'ai trouvé. Vous pouvez me donner les clés de votre véhicule, s'il vous plaît? Aidez en voiture, on y va. Demande transmise. Attendez. Pour info, les deux ils garderont leur permis vu qu'on est plus là, Velocci. J'ai peur, ils se mettent pas sur le canal 2 ou 3 en général 2. Hein, 2. Velocci, tu reçois? Pour les deux, bah, vu qu'on est parti, ils garderont leur permis. Ouais. Toi aussi, t'as les oreilles qui ont sifflé, l'idée? Ouais. Oh putain. J'entends des conneries comme ça, ça. Surtout venant de lui. C'est que ça. De toute façon, le rouge vient sur vous, donc il aurait dit le code pénal, ça aurait été mieux quand même.
un rage. Delta, Delta, allez sur le rouge, vous bloquez le rouge. Incroyable. Et lui, il était pas censé avoir pris perpète? Non. Pourquoi? C'est Johan qui a pris perpète. Hein? Johan de Gbagrov qui a pris perpète. Pas Daniela. Hein? Non, pas Daniela. Écoute, arrêtez le véhicule rouge derrière vous, là, y'a un mec masqué dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans le véhicule rouge? Un mec masqué. Confirmé qu'on fouille. Ouais, la 45, vous pouvez fouiller, hein, et de sûr, y'a un gilet barbel. Ils sont ensemble, du coup, on fouille tout. Ah, si, ils sont ensemble, et tout fouillé. Et concernant le véhicule rouge, il y avait un homme masqué à l'intérieur quand même. La force qui est sur le coup. Mais on va se mettre en position sur la montagne. Le CPA transmet. Est-ce que l'L4 peut se décaler s'il vous plaît en temps? Une place à l'intérieur comme quoi une place de sac avec des gens habillés avec des robes noires, des foulards blancs, et des espèces de fils de chasseurs. Kidnapper des civils, enfin je dirais à prix pour eux, je ne sais quoi, en les menaçant. Donc on a la recherche de ces messieurs. Ah, la montagne. Chepka noir, pantalon gris, fusil de chasse. La langue transmet à la langue ce qu'il vient de dire Dédé. Pardon, quoi? Ok. Je demande si c'est bien tenu de chasse, schéma blanc, fusil de chasse. Confirmer que c'est bien schéma blanc, tenue de chasse et fusil de chasse. Mon avis, oui. Confirmé. Compris la réponse? Ouais, c'est confirmé. C'est bien, merci. Donc c'est la team à... Jean? Non, le mur il veut pas casser. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le groupe qu'on a croisé tout à l'heure en fait. J'ai quelques petits noms. Oh bah moi je les ai déjà aussi. T'as du mal un peu Yankee là. Fatigant quand même tout ça. Hein. Il refuse de vous donner les clés? Affirmative. Mais bon, on va crocheter. Si on trouve quelque chose. Ah, du coup, on mettrait refus d'obtempérer. Hein. Attention, le mec qui fouille sur la RSF. Ah, fi, je le couvre. Pareil. Ce sera encore mieux. Et justement, il est pas en train de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Négatif, vous en faites pas du tout. Pour info, 907 mètres. Ouais. Dédé, mmh. Y'a plus de PJ. Comment ça, y'a plus de PJ? Il s'est fait battre. Comment ça? Il s'est fait faire battre. Affirmatif, bon, y'en a un qui a une scarelle, les gars, vous me les mettez tous contre le véhicule, les mains sur la tête. Mentalité incompatible. Alors prends-moi la voiture rose en... Ah non mais... Je vous le dis. Compliqué les mecs hein. Ça fait chier parce qu'il était bon. Quoi ce qui s'est menotté? Quand tu gênes. Et apparemment il gênait beaucoup de personnes. Hein. Affirmatif, c'est confirmé. C'est du Pax, on va fouiller tous les véhicules. Yeah.
Bon, et puis là, vu qu'ils sont menottés, ils sont obligés de vous donner les clés d'ailleurs. Si, si, je sais, t'en fais pas. Si tu les vois faire du monologue là. Ouais. Non, bah non. Oh putain. On a également une M4 dans le véhicule belge. Très bien, vous me les embarquez tous. De Sierra, on en prend deux, vous avez moyen d'embarquer dans votre hélicoptère. Affirmatif. C'est très bien, on fait ça. Hop, attends. Quoi? C'est bon, c'est bon, j'avais juste mon télémètre en main, c'est pour ça. Ouais. En fait, le truc, c'est que Louis, là, il y a eu un enchaînement de mauvaises actions. Vous deux là-haut, ouais, c'est ça. Ça fait que du coup, bah, il s'est fait ça. Les véhicules, je vais en prendre un de Scarfield. Ce serait bien qu'il y en ait un autre qui en prenne un autre. Enfin, il manque un conducteur pour un des véhicules. On est là. Qui veut conduire? L'hélico ou pas Scarfield? Ouais. Eh, faites attention. Je te donne les clés d'hélico. Une région. Quoi? Quoi? La vie de ma mère. C'est à moi que tu dis ça? C'est laquelle ta voiture? Attendez, y'a pas de soucis. C'est laquelle ta voiture? La A44. Vous allez gérer sur la vie de sa mère, petit pute, je vais te laisser tranquille. Ah, ça va, j'ai cru que c'était une insulte. Ça va, Dédé? Ah ouais, la rayure elle est bonne ou pas là? Alors, vas-y, c'était même pas la parce que son véhicule c'était le beige. Ah, bah c'est pas grave, emmenez les gars, je vais tout faire péter. Ah, bien après. Attendez, on va juste prendre le gilet. Y a l'arme dedans. Ça a du gâchis. Ouais. Bon, vous l'emmenez, moi je vais faire exploser les voitures. Et c'est quoi son pseudo celui-là? Ah, il faut péter qu'un véhicule avec tous les. C'est quoi un pseudo? Eh, appelle-moi par mon prénom s'il te plaît. Ok. Ok. Bon, allez, vous emmenez, moi je fais tout péter. Hein. Ouais, périmètre de sécurité, s'il vous plaît, à 150 mètres, explosion imminente. Comment ça, explosion imminente? T'as fait une charge là? Ouais. Et toi, Dédé, tu vas faire péter une charge là? Non, apparemment. J'en ai pas. Ah. C'est juste pour lui fermer sa bouche. Bon, du coup, Denis, je commence d'aller vers la mer. C'est quoi les petits noms là? Oh, ils ont pas l'air très bavards, mais bon, on s'en occupera. Ah, celui qu'on a dans Delta, il est très très trop bavard. Faites-lui fermer sa bouche. Non, mais les miens aussi sont bavards, mais pas pour les bonnes raisons. Exactement. Alors on est tombé sur 3 civils communs, on sait pas ce qui s'est passé. Il y a quoi de, au niveau de la station essence de Adios Unisos? Affirmation.
Allez, vas-y, roule, la 45. Bah c'est ça en fait. T'as tout compris. J'ai cassé deux Scarfield. C'est, je crois que c'est pire en pire en fait. Ça va Scarfield. Ouais ça va, je préfère juste que j'ai cassé. Soit c'est moi qui, en ai, qui commence à en avoir ras-le-bol, soit c'est... Mec. Je sais pas. Je peux pas te dire. Des choses que je ne comprends plus. Je me passe un petit coup. Ah, c'est vraiment, j'ai touché personne. Nick, le pompier il est passé à un pôle de cul. Okay. 4-5, je crois. Canon pour Sierra. Affiche. On a des. Ceux qui veulent porter plainte contre l'espèce de secte là, avec leur Red Shield. Vous voulez participer pour écouter un peu si vous avez une enquête sur eux ou autre? Bah vous prenez ouais la déposition, je suis à 200 mètres, j'arrive. On a la LC, c'est en train de se passer à la LC là. Les civils vont venir porter plainte. Ah ouais putain non. T'as goûté là mon petit train ça. Bon, toi faut que tu m'expliques comment tu t'as fait pour te faire virer de la police toi. Lédé, tu veux qu'on te redépose à la LC? On se met? De quoi? Tu veux déposer le véhicule et qu'on te raccompagne à la TC là? On te dépose en hélico. Besoin d'aide sur Nick pour traiter toi 3 packs. Hein, de quoi? De quoi d'être taxi comme ça? Bah écoute, vu que t'as rien d'autre à faire, ouais. Ouais, c'est vrai. Là, on était en train de jouer au cartes. Ah, ouais, c'est pas mal aussi ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas une bonne journée aujourd'hui. Hein. Ah non. Moi, j'ai appris qu'aujourd'hui, les contrôles de vitesse doivent être vus. Faut que le contrevenant il voit qu'il a été pris aux jumelles. Et ah, c'est écrit dans le code. C'est écrit dans le code. Ah bon? C'est juste. Ouais, c'est bien. En fait, ça m'a surpris moi. C'est nouveau ça. Donc en fait, il faut que tu pètes au milieu de la route. Bah, il faut qu'il puisse te voir quoi. Donc faut se démerder pour qu'il puisse te voir sans voir. Là, ça fait quoi? Ah, mais ah. Avec une jumelle
Donc tu es en train de dire que moi je ne pourrai jamais faire de contre-vitesse en fait. En mode c'est pas là ici c'est bon. À l'écoute. La plainte a été prise à la BA. Est-ce qu'il y a une plainte qui a été prise par rapport à des hommes qui menaceraient de prendre en otage pour voler une arme ou je sais pas quoi? C'est en cours, c'est là. Ah, c'est là en fait. Donc une arme ou une arme? Une arme. L'âme. Ah, ah, d'accord. Le monsieur a des preuves, c'est lui qui veut porter plainte là. C'est contre les bonhommes là à droite. Ok. Donc monsieur, il a des preuves? Le bonhomme. Ouais, écoutez. Bah, Syrah, pour toutes les unités disponibles, vous avez des preuves quoi, monsieur? Nous avons un convoi de la Diamond et un convoi de la LGO. Hein? Ah, d'accord. Allez voir les personnes qu'on croise et demandez-leur si on est méchant ou pas. Donc, vous avez préparé tout ça, monsieur? Et vous voyez qu'il y a pas de problème. Une balle là, le mec avec la caméra. Et je vous comprends, ouais. C'est pour ça que je vous dis rien. Il m'a touché au bras. C'est pour ça que je vous dis rien, c'est pour ça que c'est normal qu'il vous. Et vous a menacé le mort. Ouais. Moi, il y avait. C'est quoi les termes exacts? Dans mon véhicule, il m'a dit bouge pas sinon je te canne. Bouge pas sinon je te bute, un truc comme ça. Et je suis rentré dans mon véhicule et bam, il a. Pas dans mon bras. Non, sinon, sans déconner. Moi dans ma tête, monsieur. Si plainte y a lieu, enquête aura lieu. Bon, vous avez une vidéo de tout ça? Ouais, mais lui, vu que. Bon, vous me la mettez en ligne et vous me l'envoyez, s'il vous plaît, sur CD? Mais vu que ces neurones, ils sont trop longs, bah ça va prendre du temps, mais il faut qu'ils coupent ça là. Faut qu'ils prennent. Je pas le. Le truc dans ma tête pour couper en fait. VLC, monsieur. VLC. La vie, je la nique. C'est un logiciel pour couper les vidéos de GoPro. C'est quoi ce message là encore téléphonique là? Bon. C'est ça, c'est ça. Putain, ça aurait été moi. Hein. Ah, je serais en bon, une minute, ça serait ça. Ok, déposez plainte. Je serais parti chez le PAC 4, là, il m'aurait dit ouais, tiens, je leur ai dit mais c'était là. Syrah, vous pouvez aller voir de l'autre côté du hangar, il y a un mec qui est en train d'arriver tout seul à pied de la pompe. Oui, on vous reconvoquera, monsieur. Ah, ouais. Ou on reviendra vous chercher directement. Au dehors, le bras, j'ai pris son numéro de téléphone. Oh putain, ça court comme une fourmi en sol. Affiché au monsieur. Bah allez, vous mettez tout ça en ligne, vous venez au commissariat, vous prenez la plainte et voilà. Okay. Dès que c'est en ligne, vous venez au commissariat de Marc, d'accord? C'est okay. Possible même demain. Ouais, oui, c'est possible. Vous leur dites bien, vous dites bien que c'est une plainte très urgente et que cela a été vu avec. J'envoyais un message à l'OIA au cas où vous aurez des. Mais maintenant, avec tous leurs menaces qu'ils nous ont fait par rapport à leur retour, ils vont nous revoir. Vous se dites vraiment que c'est important et que la plainte doit. On va tomber, non? C'est des fois il y a des gens qui sont pour la crise. D'accord. Moi aussi, j'ai trouvé d'où il vient. Il y a un véhicule au nez de mon hélicoptère, mais genre de l'autre côté de la montagne. Bah, moi ça va, mais tes gars, ça va pas trop aller en fait. Ah oui, j'ai entendu. Il a dû casser là-bas et venir à pied jusqu'ici, je crois. Bah, c'est sa direction, enfin, c'est de là où il vient quoi. Puis je te jure qu'il vient à pied depuis un bout. De la merde, t'as dit que t'étais flic ou parce que j'ai pas encore sonné ça. Ouais, alors vous célèbre, let's go. Ouais, on va voir. Je vais enlever le véhicule. On te ramène au bijoutier, Dédé? Non, on me ramène sur les nerfs. Ok. Sous mes pères. Bon, ouais, oh, bah, moi, quand même. Qu'est-ce qu'on a encore du braquet ou quoi? C'est reçu ou pas? Quoi? J'ai pas encore annoncé. Ouais, on va déposer des dés. Bon, que ce soit bien clair, la prochaine, on accumule les plaintes un maximum contre les marabouts là qui veulent des âmes là ou je sais pas quoi là. Et à un moment donné, on va les taper. C'est compris? Réitère, et on fait quoi après? Au final, on fait quoi? Et après, on les tape. C'est reçu. Pour info, Tyrin, on extrait celui qui a l'argent. C'est reçu de Cobra.
Ouais, j'ai pas activé la musique, Trunks. Excuse-moi. Pour info, il y a la LCO qui est en train de vendre aussi. On va les déposer du coup au niveau de. Ouais, go au niveau de Gravia. On va déposer des decks, les Otira. Gravia, Gravia, ok. Tout droit. Yep. À moins que Dédé reste notre unité, mais je pense pas. Non, je pense pas non plus. Voilà. Oh, quoique, je vais peut-être rester. Ah, c'est comme tu le sens. Bah, regarde l'écran, hein, tu comprendras. Hein. La vie, je la nique comme mon pique-nique. C'est drôle. Mais bon, c'est moyen. C'est reçu. Y'a pas de convoi LCO pour finir du coup? Ah ok, reçu. Et après... J'ai arrêté l'épaule de l'hélico au millimètre près. Après c'est celui-là. Tout droit, Vikos. Guide-moi. Ouais, tout droit. Je prends le numéro de ça, et le numéro de ça. Et je vais m'expliquer avec les gars après. Gauche. Tout droit puis droite. Et je pense qu'ils vont faire un RTBA au terminal. Ouais, ils vont au niveau du terminal. Qu'on va terminal. Bien pris. C'est de l'autre côté le terminal. Je suis le mec en face de. Ça me fait plaisir. Je suis fatigué, les gars. Vous savez ça? Je suis fatigué. Les gens me fatiguent. Il y a un commun, quoi. Bonhomme couché, deux bonhommes couchés. Oh là 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 là. Arrête-toi, du coup, laisse-moi aller voir. Attention. C'est un braquage. C'est un braquage. Allez, on prend. C'est un braquage. Personne range les camions, personne range les camions. Allez, go, on y va. Chopez la Bugatti. RCP sorti, monsieur. Comment ça, RCP? Merci, RCP, ok. C'est bon, ouais. C'est quoi là? Les camions, tant que. Sorties. Ah ouais, ils ont remis les camions pendant qu'ils roulaient, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, vous continuez de RCP. Ok, ça marche, on s'en charge. Les deux RCP jusqu'à ce que la sécurité civile arrive. Ok, la sécurité civile, ils vont arriver. RCP, c'est 2 par personne, 2 3 par personne. C'est un monsieur d'entreprise par terre? Ah non, c'est bon, Josh. Juste qu'il y a quelqu'un qui a rangé les camions. C'est un monsieur d'entreprise par terre? Si. Oui, oui. D'accord. C'est pas grave. Ah ouais. Qui sait, c'est juste ok, d'accord. C'est quelle entreprise? C'est même compagnie. Hein? C'est même compagnie à première vue. Ok. Okay. C'est des rebelles, ça. Ouais, c'est des rebelles. Police, hein. Bah, premier. Ouais, j'ai appelé la police. Bah, en fait, c'est le 17. Bah, vu la sécurité, je pense, si vous voulez, qu'on a plus. Non, allez-y, 17. Vous leur dites, ouais, 17, vous leur dites que c'est la Blackware qu'elle. C'est okay. Ça marche, PDB. Je crois quand même que le monsieur a des tensions stupéfiantes, etc. Ça marche, ça marche. ODD. Ah, oh, c'est quoi ça? C'est la sécurité civile, je crois. Ouais, elle est bizarre, cette sirène. Ok, super. Ah bah non, c'est encore mieux. T'arrêtes de faire le con, quoi. Non,
ils sont là. Qui est là? C'est monsieur Laplace. Les blazes. Ouais, non, c'est, j'ai confondu un mec avec et un casque rouge. Qui? Attends. Ah, c'est bon. C'est que ça, j'entends pas trop le. Sacré blaze, les gars. Donc, c'est la DC, c'est ça? Actif. Ok, monsieur. Ok, bon, bah, bientôt, les gars, alors. Monsieur Blazkowicz, venez avec moi à l'ATM. Yo, ma couille. C'est toi le patron, comme Mino? Eh, patron, non, c'est pas moi. Non, mais c'est toi le chef, là? Ouais. Bon. On va m'expliquer comment ça se fait que tes gars, ils ont des trousses noires. Bon, allez, on s'en va. Où ça, regarde, regarde dans le sac à dos de Zampa, j'ai pris la photo. Zampa. Ah mais non, mais c'est, lui c'est la LCO, Gambino, c'est la LCO. Ah oui, bah, c'est pas grave. Et quand ils vont le relever, on l'arrête, hein, non? Bah oui. Pourquoi on retourne à la BA là? Bah, je sais pas, c'est pas moi qui conduis. Ah, tu m'as dit Yankee, aller. Yankee, reste là-bas, on va les choper. Faudrait ça. Par contre, il y a du staff dans le véhicule, hein, si vous ne faites pas de passe. Bah, ah oui, il y a un garage. Range à l'aéroport. Range à l'aéroport. Ouais, mais je crois que. Tellement d'œil. Il est peut-être un peu plus Zampa, voir. Il y a personne qui s'appelle Zampa ici. Oh, non. Non, mais c'est non, que toi, tu peux le voir. Moi, je peux savoir qui c'est. C'est qui lui là? L'espèce de sgeg. C'est pas mon employé. Alors, lui, c'est la Diamond Company. Ah, c'est la DC lui. Ouais, c'est la DC. T'as putain, moi, t'as été bon. Ouais, bah tu sais, t'es raison, je les ai bien interpellés hier pour équipe. Hein. Bah ouais, ça a bien fait de l'heure. C'est pas. Mais j'étais pas là hier. Hier, j'étais à la main dans les marchands. Les gars, attends que j'ai chopé tout l'équipement en train de braquer. Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. Non, la LCO, c'est les meilleurs. Là, je suis revenu à LCO pour. Ah bah voilà, félicitations, monsieur. Ah ouais, monsieur. Tu verras pas. Pourquoi tu bouges comme ça, toi? Non. Bah, j'espère que tu tiendras jusqu'à la. Allez, alors, vous avez une pièce d'identité, monsieur? Ah, une petite pièce d'identité, la rapidos, s'il vous plaît. Une photo au cas où, s'il faut. Monsieur Zampa, félicitations! Vous êtes interpellé par les services de la police! Vous êtes passé en garde à vue pour une détention d'équipement illégal! Sur la tête. C'est Badibalo? Vous inquiétez pas, la photo a déjà été prise pendant que vous y tiens conscient. Monsieur, allez, vous êtes embarqué! Il a une trousse noire récupérée. Un RPG 7. Et un gilet pare-balles. Bon, ça c'est peut-être normal parce qu'il est peut-être rajouté de la sécurité. Oui, c'est sécurité. C'est, ça dépend c'est lequel. Okay. Hein. Hop, hop, les gars, laissez ça tranquille. Il me dit pas c'est agent de sécurité ça. Si. Regardez ça. Regardez ça par terre. Tu m'as devancé, t'as supprimé tous les points. Hop. Tu prends l'agent de sécurité. Hop, c'est pris. Non, allez, on embarque. Non. Et c'est parti. On a ramassé ça justement sur une personne. Pas lui. Ah, DC. Que... Bah, vous savez quoi, peut-être et le télémètre. Oh non, 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 non. Bah, si vous voulez finir comme votre PDG, faut continuer dans cette voie-là. On a ramassé ça sur une personne. MDR, MDR. Allez, on s'en va, dire que c'est la BA, les gars. Je suis désolé, Josh. Oh là 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 là. Oh là là, monsieur René Zampa. C'est vrai que j'avais oublié le contenu de mon sac. Bah ouais, vous avez récupéré ça où? Ah, ça, je peux pas vraiment vous dire. C'est... Bah, bon, c'est pas grave, moi je sais où vous l'avez récupéré, donc je peux y aller. Ah, je vous écoute. Bah, chez vous, non? J'ai pas de maison, moi. Ah, vous avez récupéré ça où? Alors, c'est peut-être ça qui va vous sauver, hein? Oui, oui, là, c'est un endroit qu'on est très camarade, là. Par contre, ah, ça, d'accord, la trousse à outils, je l'ai acheté à un type. À qui? Le contenu de l'équipe. Ah, mais n'empêche, j'ai pensé à t'appeler Nick, je fais des progrès. Bah, non, à qui vous l'avez acheté? Hein? Ah, j'ai pas de problème. Ah, oui, tu m'appelles Nick. Donc, vous êtes en train de me dire que vous préférez risquer une peine de prison maximum au lieu de me balancer le nom? Tout à fait, tout à fait. D'accord, donc vous ne tenez pas vous en fait. Du coup, j'ai progressé. Bien sûr que si, je vous le bon, fais. Bon, bah. Je peux avoir des soucis. Pas mon grand désespoir. Pas mon problème ça. Pourquoi t'en as donc, je vais me mettre un peu de trois de plus. On récupère le. Le vide. Ah, je récupère le vide. Pour l'effet suivant, équipement illégal. Que vous direz pour réussir à utiliser contre vous, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit à manger à boire, et vous avez le droit à un médecin, et vous comprenez le droit que je viens de vous citer. Très bien. Bonne soirée, thanks. Bon, alors, c'est quoi le nom? Sinon, moi, je te fais virer de l'entreprise et je te fous un taux pour un petit paire d'années.
J'ai vraiment pas de nom, je suis désolé. Ouais, mais tu vas me la donner, sinon tu vas traîner perpète. Perpète, tu sais ce que ça veut dire, perpète? Ah, ouais, ouais, ouais. Alors... Non, non, mais honnêtement, monsieur, j'ai pas de nom. Je crois qu'il a pas le choix, on va le fumer, en fait. Bon, on va te fumer, alors. Non, non, mais c'est pas nécessaire, je vous assure, j'ai pas de nom. Un numéro de téléphone, là. Ah oui, par contre, ça, oui, je peux balancer un numéro. T'as pas son nom, hein? Channel switch. Bon ben voilà, merci pour cette soirée. Calme, très calme pour un mercredi soir, c'est normal, c'est mercredi. Mercredi, il y a toujours moins de monde que le reste de la semaine ou le week-end. Donc voilà, merci aux nouveaux followers, merci à tous, merci aux donateurs, aux dons. Merci beaucoup à Stevers pour ses beats. Merci Eric, merci Novo, merci Daron, merci Trunks aussi pour avoir resub pour le troisième mois consécutif qui te donne l'icône magique. Merci Naiken d'avoir follow également. Merci à tous, ça me fait super plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 20h minuit, comme d'habitude, sur LF. Et pourquoi pas en fin de soirée ou ce week-end sur un autre jeu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour les notifications en direct des débuts de live et des vidéos mises en ligne sur YouTube. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne soirée, bonne nuit, à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao les gars.